écoutez Mister Mister Radio. C'est trop. Je n'ai plus l'espoir de rien. Je ne crois plus en rien ni en personne. Parce que je n'ai même plus assez de force pour imaginer. Mon Dieu. Vierge Marie qui détournait vos regards. Qui ne me tendait pas la main pour m'aider à sortir de toutes les ruines de mon existence. Je vous demande seulement de me donner la force de rayer d'un trait le nom de Katrina Kornfeld du nombre des vivants. Mon petit Johan, je vais venir te rejoindre dans le grand trou noir de l'oubli. Johan, mon petit garçon, le canon de ce pistolet, n'est-ce pas ton doigt pointé bien droit, bien ferme contre mon cœur? Comme il est froid et dur, ce doigt. Johan, mon petit. Vous avez entendu? C'était un coup de pédale. Moi, j'ai d'abord cru que c'était un pneu dans la rue. Oh. Chez qui c'est? Pareil que c'est chez les Hertal. Lequel qu'a tué l'eau? Ils sont montés voir. Rudolf, papa de Mélissa, si c'est Gustave Hertal qui est armé, il est mauvais. Venez voir, c'est Catherine Hertal qui s'est suicidée. Il n'y a pas de danger au moins? Non. Ça peut se terminer comme ça. C'était pas elle qui en avait fini, c'est son mari qui l'aurait tué un jour. Regardez, ça saigne pas tellement. Elle est peut-être que blessée. Au contraire, quand ça saigne presque pas, c'est que c'est fini. Ah, des morts, j'en ai vu, moi, pendant la guerre. Ben, mon mari en a vu autant que vous à la guerre. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, pas les enfants. Mais dis-toi de là, Joseph, c'est pas un spectacle pour un enfant sensible comme t'es. Je veux voir. Va-t'en étudier ton violon. Non, je veux voir. Oh, bon, arrête. Bon, oh, pousse pas, Joseph. Dis-toi gentiment. Laquelle qu'on appelle d'abord? La police ou l'ambulance? Vous êtes membre de sa famille, vous, madame? Oh non, monsieur, moi, je suis la concierge de l'immeuble. Je me passerais bien d'être là à l'heure de mon dîner, mais c'est l'agent qui a dit qu'il me faut quelqu'un pour l'accompagner à l'hôpital. Malgré qu'on aime bien tous rendre service à son prochain, c'est pas... On pouvait quand même pas tous monter dans le car de la police. C'est nom et prénom. Hertal Katrina. Âge? Oh, dans les 29-30. Elle faisait plus à cause qu'elle n'était pas heureuse. Mais on s'en fout. Mariée? Oh, m'en parlez pas. Oui, si, mariée. Hein, pas grand-chose. Des enfants? Hein, il est mort d'accident il y a un an, il en avait 7. C'est arrivé bêtement. Je vous remercie, on n'a plus besoin de vous. Mais pourquoi qu'ils l'ont emmenée à la chirurgie puisqu'elle est morte? Il faut tout essayer avant de dire que c'est fini. Oh, la peau, c'est ce qu'elle a fait, elle en était usée. Je parle des chirurgiens. Et puis, une fois qu'ils auront ôté la balle pour la mettre dans un petit flacon,
Et qu'est-ce que ça prouvera? C'est monsieur le professeur Gartenkunst et monsieur le docteur Kurt qui la travaillent. Ouais, il lui aurait donné un coup de main de son vivant, ça l'aurait quand même soulagé plus tôt. Moi, si je vous disais que cette malheureuse jeune femme, non, elle a eu... Pince. 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 Compresse. 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 Pince. Pince. Monsieur le professeur, la tension faiblit de plus en plus. Combien? 3,5, 3. Transfusion. 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 Pince. Pince. Compresse. 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 Monsieur le professeur, le cœur a cessé de battre. Bonjour, la nouvelle. Bienvenue, nouvel an. Comme elle est pressée. Bonjour. N'allez pas si vite, ma petite. C'est fini. Bonjour, âme nouvelle. Bienvenue, nouvel an. D'où tu viens, madame? De quel pays t'es? T'en as de vos cheveux blonds. Pourquoi tu souris pas? Silence. Quels sont les premiers mots qu'elle va dire? Oh, je le sais! Oh, moi aussi, je le sais, moi, je le sais, moi. Je le sais, ce sont toujours les mêmes qu'ils disent tous quand ils se réveillent. Chut, souffle pas. Écoutez, regardez. Où suis-je? Tu ne vas pas jouer avec les autres, toi? Non. Pourquoi n'as-tu pas envie de rire comme eux? Parce que... Parce que quoi? Tu ne veux pas me le dire? Tu vas pas te moquer? Oh, je te promets que non. Je ris pas parce que t'es triste. Oh, ça va beaucoup mieux. Tu es bien plus jolie quand tu souris, tu sais. Je me sens en sécurité auprès de toi. Je suis pourtant qu'un petit garçon. Oh, c'est peut-être pour ça. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends. Toutes les hommes que tu vois attendent. Il y a beaucoup d'enfants ici. Oui, mais c'est pas longtemps les mêmes. Il en part tout le temps. Où vont-ils? Ça. Il y a longtemps que tu es ici, toi? Je me rends pas compte. Quel âge as-tu? 9 ans et demi. Pourquoi es-tu ici? Je toussais. Et puis un jour, j'ai essayé. Je pouvais pas. L'air rentrait plus, comme si j'en avais trop en dedans. Ça me faisait mal. Et puis j'ai guéri d'un coup. Tout l'air est sorti comme un ballon qui se dégonfle. J'ai poussé un long, long soupir. C'était fini. Tu connais tous les petits-enfants qui sont ici? Oh non, il y en a trop. Tu connais peut-être un petit garçon qui s'appelle Johan? Ça me dit rien. Johan Hertal. Non, qui c'est? Mon petit garçon à moi. Pourquoi il n'est pas avec toi? Il est mort il y a un an. Un an? Alors il est redescendu. Où? Ben en bas. C'est là qu'on retourne tous un jour ou l'autre. Tu es sûre? Les grands le disent. Les grands aussi retournent en bas? Il paraît. Ah. T'es pas pressé de redescendre? Ah non. Parce que t'es fatigué du voyage. Mais quand tu seras reposé, tu retourneras en bas. J'aimerais mieux pas. Tu veux que je te conduise au centre d'accueil? Il y a un centre d'accueil? Oui, qui est tenu par les hôtesses de l'air du temps. Elles reçoivent toutes les âmes nouvelles qui arrivent. Elles sont gentilles, tu verras. Je veux bien. C'est par là. Allons. Comment t'appelles-tu? Philip Norton. Tu es anglais? Oui, de Nottingham. Et toi? Allemande, de München. Comment c'est ton nom? Katrina Kornfeld. Pourquoi dis-tu Katrina? C'est Catherine, non? Oh, tu le dis gentiment. Tu es anglais, moi allemande et on se comprend. Ici, tout le monde se comprend. C'est pas comme en bas. Voilà, on y est. On peut entrer? Que veux-tu, Philippe? Miss, c'est une nouvelle. Entrez. Va, Philippe. Je peux pas rester? Non, va jouer. Profites-en, demain tu partiras. Où ça? Sur la terre. Je retourne à Nottingham? Non, à Pinyang. Où ça? En Asie. Ah oui, en Chine, dans la province du Gansu. Comment sais-tu cela, Philippe? Un Anglais connaît par cœur la géographie du monde entier, Miss.
C'est ce qui lui donne l'autorité de se croire chez lui quand il est chez les autres. Demain, tu seras un petit chinois. Allez, va. S'il vous plaît, j'aurai du thé. Bien sûr. Merci. Avant, tu auras du lait de chèvre. Bah. À présent, laisse-moi. Demain, Philip Norton, je te verrai avant ton départ. À demain, Miss. Content de vous avoir connue, Madame Kornfeld. Adieu, Philip. Soyez la bienvenue, Madame Kornfeld. Mon véritable nom est Hertal. Mais cet enfant semblait vous connaître. Je lui ai dit mon nom de jeune fille pour oublier l'autre qui ne m'a donné que des malheurs. Vous étiez mariée? À Gustav Hertal, oui. Blumenstrasse 13 München. Hertal. Hertal, Hertal, Karl, Hertal, Max, Hertal, Klaus. Ah, oui. Hertal Gustav, 43 ans. C'est cela. Buveur, joueur, brutal, sadique. C'est cela? N'ayez pas honte, ici on oublie tout. Je ne peux pas répondre. Ce sera difficile d'oublier. J'aimerais tant pouvoir ne rien me rappeler. Ce n'est pas une question de volonté. On ne renonce pas, on oublie tout. Cet enfant, tout à l'heure, savait son nom. Les jeunes enfants ont la mémoire des détails inutiles. C'est pour cela que nous les dépaysons en les envoyant sur un point du globe inconnu d'eux. Philip Norton naîtra dans 9 mois, jour pour jour, dans la cabane d'un couple de bergers à Pinliang. Et s'appellera Li Shu-ho. Votre nom ne figure pas sur mon livre à côté de celui de Gustav Hertal. Pourtant, je vous assure que nous étions mariés depuis 1945. Il était de vous? Johann, 5 janvier 1946, 11 octobre 1952. C'était notre petit garçon. Vais-je le voir? Non, il est reparti aussitôt, dès le 12 octobre de l'an dernier, pour Humaita, au Brésil. Comment se fait-il que vous ayez la mémoire de faits aussi précis? C'était mon fils. Vous, c'est Kornfeld, dites-vous? Oui, Katrina Kornfeld, oui. Kornfeld, Paula Kornfeld, Lotte Kornfeld, Maria... Maria Kornfeld, oui, ma jeune sœur, tuée dans un bombardement en 44. Ah, voici. Katrina Kornfeld. Vous voyez. Que faites-vous ici? Mais... Que faites-vous ici? Mais laissez-moi vous expliquer. Je me suis tuée. Non. Mais si, je vous jure que si. C'est faux, vous ne devriez pas être ici. Mais comme... Mais que voulez-vous que je vous dise? Je vous assure, avec un revolver... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les dates sont formelles. Vous êtes née à Kaiserslautern, dans le Palatinat... Non, ne le dites pas. Moi, je vais vous le dire, pour vous prouver que je n'usurpe pas l'identité d'une autre. Que je suis bien moi, née le 9 mai 1923, de Brigitte Speiler et de Walter Kornfeld, tués tous deux le 30 novembre 43, à Hambourg. Oui, c'est exact. Mais je ne comprends pas davantage. Je ne vous attendais pas avant l'année 1972. Qu'est-ce que vous dites? Que vous n'avez pas fini votre temps, que beaucoup d'autres épreuves vous attendent. C'est impossible. C'est écrit? Non, c'est impossible, je ne veux pas. Je vous dis qu'il n'y a pas à ne pas vouloir, mais à accepter. J'accepte, je consens à tout ce que vous voudrez, mademoiselle. C'est la première fois qu'une chose pareille arrive. Si vous vous mettez à monter de vous-même par vos propres moyens avant qu'on ait renvoyé l'ascenseur, ben ça va être gentil ici. Mais puisque je suis là... Il faut de l'ordre. Il y a de la place. Mais pas pour vous. C'est absolument invraisemblable. J'en parlerai au patron. Où voulez-vous que j'aille? C'est inouï, je n'ai jamais vu votre cas. Je vous en supplie, mademoiselle. Envoyez-moi où vous voudrez, faites de moi ce que vous voudrez, mais ne me chassez pas, ne me renvoyez pas d'où je viens. Il n'y a pourtant pas le choix. À moins... Oui, n'importe quoi. Mais faites de moi une feuille, un caillou, un flocon de neige, non, une plume d'oiseau. Ne dites pas de bêtises. Ce que vous demandez est impossible. Une note de musique. Pourquoi pas une petite fleur bleue? Si vous voulez, une petite fleur bleue parmi d'autres fleurs bleues. À Humaita, au Brésil, où se trouve mon petit Johann. Une fleur qu'il ignorera toujours. Mais je préfère cela plutôt que de me flétrir davantage dans la boue que j'ai connue. Oh, mais taisez-vous donc, je cherche. Les choses que vous évoquez ne sont que des choses. Et seulement cela. Elles n'ont pas d'âme. Alors un chien? Non plus. Ils ont un cœur. C'est un organe qui n'offre d'utilité pour nous que lorsqu'il a cessé de remplir ses fonctions. Enfin, comment voulez-vous que je sois ici si le mien n'a pas cessé de battre? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi qui règle tout cela. Et je n'aime pas les ratures. S'il y a une erreur dans le système, où allons-nous? Ce n'est tout de même pas ma faute. Ni la mienne. Mademoiselle, je n'ai certainement pas toujours fait ce que je devais. Mais si j'ai préféré en finir au lieu de lutter, ma faiblesse avait bien des excuses. Allez. Vous m'en voulez parce que je me suis tuée trop tôt? Oh, ici, Katrina, on n'en veut de rien à personne. En bas, vous faites ce que vous voulez. Jusqu'à la minute où le fil de votre vie est cassé net ou usé. Ici, je ferai ce que vous voudrez. Les travaux les plus humbles, les besognes les plus ingrates. Vous pouvez raisonner faux, mais ici, il n'y a rien à faire. Je vous aiderai. Oh, merci. Vous avez une façon de mettre de l'ordre dans vos papiers. Je ne tiens pas à vous confier les miens. Oh, et tout ce monde qui attend. Vous ne vous rendez pas compte, vous. Tout à l'heure, le petit Philippe me disait, l'hôtesse de l'air du temps est gentille.
Je ne demande pas un régime de faveur ni une mesure d'exception. Si je suis un cas unique et imprévu, c'est peut-être parce que je représente tout simplement un vice de construction qui vient se faire réparer. Voulez-vous bien vous taire? Un vice de construction? Si le patron vous entendait. Il y a un instant, vous avez entrevu une possibilité. Si, vous avez dit à moins que... Oui, je pensais qu'en attendant qu'il soit statué sur votre sort en haut lieu, pourriez peut-être... Tout, je vous dis, n'importe quoi. J'y mets de la bonne volonté. Mais bon Dieu, je... Oh, pardon. Mais bon sang, je me tue. Oh, alors bon, vous voyez, je ne sais plus où j'en suis. Je m'évertue à vous expliquer que nous ne voulons pas de votre volonté. Ni bonne, ni mauvaise, là. Je sais bien pourquoi vous ne voulez pas de moi, allez. Parce que je me suis tuée, n'est-ce pas? Oh, ma pauvre Catherine. Les suicidés, ce n'est pas cela qui manque ici. Non, nous n'avons pas de préjugés imbéciles réservés aux humains. La vie que nous vous avons donnée vous déplaît. Elle est à vous. Vous la brisez comme une porcelaine, ça vous regarde. Seulement, ici, nous ne recommandons pas les morceaux. Ce n'est pas du petit bricolage, Catherine. Et la maison a le respect des traditions. Elle ne fait que du neuf. Avec des vieux, souvent, non? Aucune importance, puisqu'on repart à zéro. Alors, les pendus, les empoisonnés, les asphyxiés et autres condamnés à mort par eux-mêmes, on ne s'en occupe plus. Qu'est-ce que vous en faites? Rien. Il est inutile de les renvoyer sur la terre, puisqu'ils ne veulent pas y rester. Peut-être que s'ils y connaissaient une autre existence meilleure... Mais, puisque vous aviez tant que cela la manie de discutailler... Pourquoi n'avez-vous pas raisonné votre dernier geste avant de le commettre? Si vous saviez ce qu'il m'a fallu de résignation. Il est incompréhensible que vous ne soyez pas demeuré en bas. Je vous promets que c'est également très heureux pour moi. Seulement si je ne dois pas rester ici non plus. Un instant. Nous n'avons jamais abandonné quelqu'un dans la peine. Il est bien temps. Comment? Rien. À tous les morts volontaires, il est donné une chance. Si, rencontrant une âme aussi déshéritée que la sienne, un suicidé édifie un bonheur durable... Alors, il est permis à ces deux êtres d'exception de fabriquer des rêves bleus. Des rêves bleus? C'est un travail inutile, mais charmant, qui consiste à errer dans les nuages et à semer des paillettes azurées qui vont virevolter dans les cerveaux des jeunes enfants, des jeunes filles, des poètes, des vieux curés de campagne et de quelques politiciens. Je sèmerai des rêves bleus. Si vous avez souscrit à la seule condition de rencontrer une âme sœur. Et si je n'y parviens pas? Alors, vous ferez comme font tous ceux dans votre cas, vous fabriquerez des cauchemars, et vous serez seul, toujours, à jamais, parce que c'est la solitude que vous aviez choisie pour en finir. Par désespoir, mademoiselle. J'aime mieux vous avertir que l'expérience que vous allez tenter a été offerte à des centaines de milliers de morts volontaires, et que bien peu d'entre eux ont surmonté l'épreuve. Certains ont-ils réussi? Quelques-uns, mais ils se grisent vite du parfum de leurs rêves. Je ferai attention. Mademoiselle, je ne sais comment vous remercier. Je suis au service de tous les passagers, Catherine. Mais s'il me fallait consacrer autant de temps à chacun d'eux, qu'avez-vous? Catherine! Ressaisissez-vous, voyons! Qu'est-ce qui vous arrive? Catherine! 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 Monsieur le professeur, je n'obtiens toujours pas la moindre pulsation. L'aiguille demeure obstinément fixée à zéro. Docteur Kurt, abandonnez le massage du cœur. Nous allons tenter l'électrochoc. Allô? Ah non, non, madame Gartenkunst, c'est absolument impossible. Non, monsieur le professeur Gartenkunst se livre depuis 60 minutes à une opération extrêmement délicate. Mais il y va de l'avenir de la science, madame Gartenkunst. Ah oui, je comprends bien, madame. Je compatis respectueusement. Je vais cependant essayer, madame. Docteur Hunt, je vous prie, veuillez informer le professeur que son petit garçon vient d'avaler une aiguille. Docteur Kor, aiguille. Docteur Choucroute, une aiguille. Docteur Kor, aiguille. Monsieur le professeur, c'est aiguille. Calomel. 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 Allô? Allô, madame Gartenkunst? Calomel. Mes hommages. Katrina! 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 Oh, Katrina! Voyons, répondez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est à moi de vous le demander. Que vous est-il arrivé? Vous êtes pâle comme je ne sais quoi. Comme une morte, non? Si les âmes se mettent à tourner de l'œil,
Qu'est-ce que vous avez eu? Ce jeune homme qui vient de passer. Oui, celui qui erre devant le centre d'accueil comme une âme en peine. Oh, c'est le cas de le dire. Eh bien, vous le connaissez? Oui. Un instant. Mais promettez-moi de vous dominer et de ne plus ployer comme un roseau. Sergent Wilfried Fröhlich! C'est bien lui? Oui. Depuis combien de temps est-il ici? Je ne sais plus. 8 ans, 10 ans, peut-être plus, il faudrait que je recherche dans mon livre. Vous savez, à une époque, il montait ici jusqu'à 23 000 soldats par jour. Mais pourquoi ce soldat est-il demeuré ici? Puisque tout le monde redescend, dites-vous. Est-ce que vous pouvez être curieuse, ma pauvre petite? C'est l'administration centrale, ici. C'est bien réglé, on ne pose pas de questions. C'est bien Wilfried Fröhlich. S'il est ici, c'est qu'il doit être dans le même cas que vous. Lui? Un soldat allemand ne se donne pas la mort, mademoiselle. S'il s'est donné à elle, cela vient d'au même, allez. Et puis, vous me fatiguez avec toutes vos discussions. Avec ceux de votre pays, c'est toujours la même chose. Ou cela vous paraît tout simple d'admettre le pire, ou ce sont des récriminations interminables qui mettent la pagaille. Des querelles d'allemands. Sergent Fröhlich, avancez à l'ordre. Sergent Wilfried Fröhlich, connaissez-vous cette femme? Oui, mon capitaine. C'est Katrina Kornfeld. Wilfried. Wilfried. Ailleurs, qu'étiez-vous l'un pour l'autre? Je suis mort à 20 ans, mon capitaine. Avec, dans le fond de mon âme, un amour que je n'ai pu donner à Katrina. Et vous? J'aimais Wilfried, sans avoir pu faire davantage que de le lui laisser deviner. Pourquoi? La guerre. La guerre. Wilfried, c'est merveilleux. Jamais je n'aurais cru que je pourrais me trouver un jour ainsi, étendu près de toi, au milieu de champs de fleurs, baigné de la lumière éblouissante d'une aurore qui permet enfin d'espérer. 10 ans, Wilfried. 10 années épuisantes à supporter, comme un fardeau de plus en plus pesant, accablant, écrasant. Et c'est à toi que je dois ces premières minutes de confiance et de douceur de ne plus vivre. À toi, beau, grand, fort, blond, et jeune, et ferme, et tendre. Comment douter à présent, Wilfried? Et comment se faire pardonner d'avoir douté un seul instant? Qu'as-tu fait pendant ces 10 années? Pourquoi ne m'as-tu pas averti plus tôt? Tu es ici depuis 10 ans et tu n'es jamais venu me faire le moindre signe. Pourquoi? Le règlement l'interdit, Katrina. Je t'ai fait rechercher par tous les services internationaux. Pendant des années, Wilfried, je n'ai pas désespéré de te revoir. En me faisant savoir que tu étais mort, tu m'aurais causé un grand chagrin, mais épargné beaucoup de peine. Ce n'était pas possible, Katrina. Le règlement l'interdit. Ce n'était pas bien difficile de me faire comprendre que je ne devais plus rien espérer de toi sur la terre. Je suis bien sûr qu'il doit exister des moyens de faire parvenir des messages. Non? Oui, tu vas encore me dire que ce n'est pas dans le règlement. Ce n'était pourtant pas non plus dans le règlement de me donner ta portion de nourriture la première fois où nos deux chemins se sont croisés, entre la vie et la mort. Tu te rappelles? Oui. Le 2 juillet 1942, deux trains immobilisés en pleine campagne à quelques kilomètres de Breslau.
Le mien bourré de réfugiés que l'on brinque-ballait depuis 2 semaines, de gardes triage en voie de garage, qui devenait si sale, si décharné, si puant, que les autorités ne savaient que faire de ce train de fantômes loctus. Et sur l'autre voie, un train de soldats à destination de l'Est. Exportation de viande fraîche, tendre, saine, bien alignée, par quartier, dans des wagons à bestiaux. Et parce que ça bombardait au loin, les plus valides d'entre nous s'étaient aplatis sur les pentes des remblais. De votre train, pas un soldat n'est descendu. C'était interdit, Katrina. Et quand le bombardement s'est rapproché, pour montrer aux foireux de civils son mépris du danger, un officier a commandé que l'on vous distribue la soupe qui chauffait dans le wagon de tête. Soupe ! Freestyle ! L'eau ! Tu te rappelles ? Soupe ! Oui. Pourquoi le dis-tu avec l'air boudeur d'un sale gosse pris en faute ? Parce que c'était le règlement. Remonter le moral des populations éprouvées en montrant une énergie que rien ne peut ébranler. Un avion anglais, isolé par la flague, a survolé les voies et s'est délesté de son chargement. Chez nous, même les impotents avaient sauté des wagons pour se cacher la figure dans les chaumes. Chez vous, les hommes serraient un peu plus fort leurs gamelles. Et tu m'as tendu la tienne. Prenez. Si, prenez. Mais vous... Moi, je suis sûr d'en avoir ce soir, pas vous. J'ai mangé vite, goulûment, comme une voleuse qui craint d'être surprise. Et tu avais encore plus peur que moi qu'un officier ne remarque ton geste de pitié. Katrina, le règlement interdisait la pitié. Déjà, on donnait l'ordre de remonter dans les wagons. Je t'ai dit, j'espère pouvoir gagner à Hambourg, où mon père est professeur de musique. Moi, j'ai dit, quand je serai général commandant la place de Moscou, je réserverai une place dans l'orchestre du Grand Théâtre pour monsieur votre père. Autour de toi, des camarades ont ri. Auprès de toi, une vieille femme pleurait. J'ai vite noté ton nom, ton numéro matricule, celui de ton régiment. Moi, j'ai griffonné ton adresse sur un carnet de route. Katrina Kornfeld, Dürerstrasse, Hamburg. Grenadier Wilfried Fröhlich, matricule 128032, 5e régiment SS, 9e bataillon, 1er compagnie. 6e armée. Quel sourire magnifique tu avais, Katrina. Je devais être laide et sale. Je n'avais jamais aperçu une jeune fille aussi belle que toi. Tu étais merveilleux de santé et de force guerrière invincible. Nos doigts ne se sont même pas effleurés. Mais nos regards ont pénétré au fond du cœur l'un de l'autre. Les trains ont lentement glissé sur les rails, emportant leur chargement. L'un de vies précieuses, l'autre de survivants inutiles. Ensemble, on a crié. On s'écriera. Et l'on s'est écrit. Moi, tous les jours. Moi aussi. Et j'ai seulement reçu 5 cartes de toi. Moi, j'en ai reçu 2. Mais je t'ai écrit tous les jours. Oh. Menteuse. Menteuse. Est-ce que ce serait grave, Wilfried, si je jurais aujourd'hui que je t'ai écrit très souvent? Je ne sais pas. Ça dépend peut-être ici aussi de la personne ou de la chose que l'on engage. Pourquoi ici? Parce que sur la terre, nous, quand on disait « je te le jure sur la tête de Goebbels », ça n'engageait que sa sale tête de cochon. Eh bien moi, Wilfried, je te le jure sur la tête de mon petit Johann. Qui est-ce? Un petit garçon que j'ai eu et qui m'a quitté l'année dernière. Un petit garçon que tu as eu? Un petit garçon de toi, Katrina? Oui. Avec qui? Un homme ruiné par la guerre, comme moi. Mais qui avait encore un peu d'espérance et beaucoup de courage. J'avais tout perdu, Wilfried, ma famille, ma maison, tous nos biens. Et il fallait rebâtir et repeupler. Reconnaître que nous étions battus, mais penser nos blessures et se remettre à l'entraînement. Pourquoi faire? Mais parce que ça aussi, c'est dans le règlement. Pourquoi deux êtres dépourvus de tout unissent-ils leur misère? Parce qu'ils ont peur de la solitude. Je sais. Toi, un soldat à 20 ans, tu ne peux pas savoir. Je te dis que je sais à quel désespoir mène la solitude. Puisque
je suis ici. J'ai mieux aimé mourir, Katrina, parce que je ne pouvais plus supporter tout seul la peur. La peur ? Toi ? Le courage d'un soldat s'use à racler dans le fond des poches les résidus de tabac, à fixer obstinément des bidons vides, à renifler l'odeur de pansements puants, à ne plus recevoir de nouvelles, à ne plus pouvoir envoyer des siennes, à réfléchir. Mon pauvre amour. C'était dans la nuit du 1er au 2 février 1943, à Stalingrad, par une température de moins 32. Pendant 2 semaines, ce qui restait de notre compagnie s'était abrité dans le bâtiment numéro 5 de l'usine Octobre Rouge. Les bolchevistes gagnaient lentement du terrain. Ruine après ruine, pierre après pierre. Tous mes officiers, sous-officiers et camarades étaient morts depuis 2 jours. Plus d'eau, plus de nourriture, plus de munitions. Des cadavres gelés, des blessures pourries, de la vermine, de la crasse. Aucun espoir de rien. Dans l'obscurité de cette longue nuit glacée, je guettais... D'où viendrait ma mort? Je percevais, sans les situer, les chuchotements des autres qui scrutaient l'ombre, auscultaient la nuit, à la recherche d'un souffle de vie ennemi. Ce n'est qu'à 7 heures du matin qu'épuisé de fatigue et d'angoisse, n'y tenant plus, j'ai préféré en finir. Ils t'ont assassiné. Non. Nous, on faisait pareil. Ça tuait le temps aussi. Tu avais mon nom sur les lèvres quand tu es tombé. Non, je n'ai pensé qu'à moi seul. Tu as dit mon nom, toi, quand tu as quitté la vie? Ce n'est pas pareil, Wilfried. Je ne savais pas que j'aurais le bonheur de te retrouver. Et puis, depuis si longtemps, je ne savais plus rien de toi. 10 ans, Wilfried. Ta dernière carte était de décembre 42. Pendant 3 ans, j'ai espéré que tu avais peut-être eu de la chance. J'ai préféré refuser celle qui m'était offerte de survivre à la honte. Ce sont bien des mots bêtes de soldat, ça. Katrina! Oui, mon petit guerrier. Oui, mon grand héros. Oui, mon gros imbécile qui a mieux aimé mourir plutôt que de se rendre. Katrina! Un prisonnier peut s'évader. Un mort aussi, je te jure. Et il ne risque pas d'être repris. Pourquoi me parles-tu avec dureté, Wilfried? Qui est devenu le père de ton enfant? Laisse. Tu as honte, n'est-ce pas? Tu ne veux pas m'avouer que ce courage dont tu parlais était du plaisir, pas autre chose qu'un sale plaisir. Parce que, après la grande débâcle, quand le pays n'a plus été qu'un monceau de ruines fumantes, avant que l'on parle de renaissance des cendres chaudes, il y a eu quelque temps de répit et de folie bestiale. Mais ne proteste pas, ne proteste pas, on me l'a dit. Ceux qui arrivaient ici en 45 me l'ont raconté. Pour une tablette de chocolat ou une cigarette, un nègre pouvait rigoler avec vous. Tu ne dis plus rien, n'est-ce pas? L'hôtesse du centre d'accueil me disait... Oui, c'est ça. Parlons d'autre chose, hein. L'attaque de diversion. Elle me disait... Vous sèmerez du rêve bleu en compagnie de l'âme qui vous aidera à réaliser ici le bonheur d'être deux. Et puis? Et puis elle ajoutait... Des centaines de milliers de morts volontaires ont tenté cette épreuve. J'en connais très peu qui aient réussi. Tout à l'heure, tu étais prête à jurer sur la tête de ton petit enfant que tu n'avais aimé que moi. Non, Wilfried, ne dis plus rien. Des cris, des reproches injustes, de l'amertume, des menaces, des grossièretés, des coups.
J'ai subi cela pendant des années. C'est venu peu de temps après mon mariage avec Gustav Werthal. C'est toi qui as raison, Wilfried. Ce que j'avais pris pour une âme forte, pour un élan du cœur, pour de la générosité, ce n'était qu'un désir bestial. On ne t'a pas trompé, tu vois. Après la mort accidentelle de mon fils, j'ai lutté encore 11 mois parce qu'il me semblait que ces sacrifices quotidiens et anonymes avaient quand même leur utilité. Chaque pièce de la mécanique a son rôle à défaut d'importance et doit apporter sa participation dans la marche de la machine qui se remet en mouvement. Tout ça, ce sont des discours, Katrina. Tu sais pourtant où ils nous ont menés. Tu as toujours raison, toi, immobilisé dans la pureté de tes 20 ans. Soldat trop petit pour se hausser jusqu'à l'indiscipline, trop grand pour t'abaisser à survivre à la défaite. Moi, je me suis tué par fierté, parce que l'on se diminue à toujours accepter ce qui est inacceptable. Toi, tu es mort de mépris pour ne plus rien admettre. Nos destins pouvaient se rejoindre, mais ils sont une fois de plus sur des voies différentes. Et ce soir, tu n'as pas de gamelle à me tendre. Katrina. C'est d'avoir reparlé de la guerre qui m'a rendu brutal et jaloux. C'est un sale mot qui n'amène rien de bon. Tu veux bien me pardonner et oublier ce que je t'ai dit. Ketchen. Kate. Ma petite. Mon rêve d'amour. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta main tremble et n'est plus aussi froide. Tes joues sont colorées. Katrina, tu me fais peur. C'est à cause de moi. Et c'est de ma faute. Si, Ketchen, nous ferons des rêves ensemble. Je te le promets. Wilfried, au secours! Au secours! Voyez, messieurs, le courant électrique a provoqué une première réaction. Le cœur s'est mis à battre. Après 85 minutes d'arrêt total, vous êtes témoins, n'est-ce pas, que le cœur de cette femme bat de nouveau. La science, messieurs. Monsieur le professeur, ce n'était qu'une réaction des centres nerveux. Le cœur a cessé de nouveau de battre. Aucune importance. Il y a des tentatives scientifiques qui équivalent à des certitudes définitives. Très bien, parfaitement. Super bien. Chaque jour, la passivité grandissante de la masse se soumet à la supériorité de la grosse culture. Qu'est-ce que la mort de gens misérables, messieurs, pour qu'une élite... Wilfried, ne dis plus rien, c'est inutile. Et ne cherche pas à me retenir. Nous deux, c'est impossible. Il y a partout des terrains interdits aux nomades. Et nos âmes sont faites pour n'avoir jamais de repos nulle part. Vois-tu, Wilfried, ce qui est le mieux au point dans leur système, ici, c'est de ne donner aucune certitude de rien à ceux qui ne peuvent aller nulle part. C'est leur façon de faire payer cher ceux qui n'ont pas eu confiance jusqu'au bout. Je sens que je vais revivre, hélas, parce qu'il le faut, parce que c'est écrit dans le livre. Ma pauvre tête est lourde des rêves bleus que tu as semés, Wilfried. Bleus comme le ciel que j'ai si souvent imploré. Bleu comme l'uniforme de l'hôtesse de l'air du temps. Bleu comme les yeux de mon petit Johan. De mon petit Johan. Bleu comme les yeux de mon petit Johan. De mon petit Johan. De mon petit Johan. Bleu comme les yeux de mon petit Johan. De mon petit Johan. De mon petit Johan. J'admets, messieurs, que le peu de raison restant à cette pauvre femme n'a pu supporter l'épreuve de l'électrochoc et qu'elle terminera ses jours dans une clinique pour aliénés. Mais voyez, dans quelle voie triomphale nous engageons résolument les pas gigantesques de la science!
et aventure. Une petite rincette, mon chéri. Je dis pas non. Oh, quelle gourde je suis. Non, laisse. Non, attends, je vais te donner un autre verre. La moquette n'est pas propre. Tu sais, le mercredi, je me donne congé d'aspirateur. Il est très à cheval sur le ménage, Roger? Non, il est plutôt distrait, mais je tiens à faire mon boulot. Ce boulot de tous les jours. Merci. C'est les gestes familiers que j'aimerais tellement faire pour toi, et non pour lui. Tu vois, les travaux ménagers, il faut être lucide, c'est embêtant. On ne peut les faire que par amour. Mais tout de même, tu l'aimes bien, Roger? Non, plus. Je le hais. Mon existence m'empêche de vivre avec toi, mon amour. Je voudrais le rayer de ce monde. Que du jour au lendemain, il n'existe plus. Ne dis pas des énormités, Mara. Si Roger disparaît, je lui vide son petit coffre-fort dont j'ai la combinaison, histoire de ne pas être à ta charge. Je remplis ma petite valise et je débarque chez toi. Oh, Dieu! 4 ans que j'espère ce moment. Tu sais, mon appartement est petit. Je crois que... Qu'on serait mieux ici? Comme tu voudras. Comme tu voudras, Jean-François. Ma joie serait de faire ce que tu veux. On peut dire que le MLF a perdu une adhérente avec toi. Oui, oui, je suis sans doute complètement démodée. Non, pour un homme, c'est pas un mal. Ton linge bien repassé, de bons petits repas. Je te rendrai heureux, Jean-François. Pour le moment, il y a Roger qui nous a rien fait. Il ne fait que nous empêcher de vivre. Mais les problèmes des hommes ne sont pas les mêmes que ceux des femmes. Oh, admettons. À propos de problèmes, Mara, j'en ai un qui te concerne. Quoi donc, mon chéri? Ce ne sera plus possible, nous deux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a 4 ans que nous sommes ensemble. Tu ne m'aimes plus? Si, je t'aime bien. Oh, bien. Le vilain mot. Qu'est-ce qui se passe, Jean-François? Encore aujourd'hui? Oui, l'habitude. Encore un vilain mot? Allons. Parle. Voilà. J'ai fait la connaissance d'une jeune fille. Une vraie jeune fille. Elle a 18 ans. Et tu en es éperdument amoureux? Éperdument. Et tu veux l'épouser? Je pense que oui. Alors, tu vois, Mara, nous deux, c'est fini. Mais tu es fou. Tu rêves. Tu ne penses pas que je vais me laisser faire comme ça? Tu vois une autre solution? Je ne veux pas que tu me quittes. Je ne veux pas te perdre. Je la crèverai, ta bonne amie. Roger aussi. Arrête d'être aussi vindicative. Fais-toi une raison. C'est la vie. Toi et moi, on a eu un beau voyage. Un voyage de 4 ans. Et maintenant, c'est le terminus. Mais tu es vraiment dingue. Je n'accepterai jamais ça. Il le faudra bien, Mara. Mais en fait, ta petite... Qu'est-ce que ça change, hein? Après tout, il y a aussi Roger. Alors... Marie-toi et continuons comme avant. Oh non, Mara. Notre aventure est terminée. Je vais commencer une vie nouvelle. Je ne veux pas de magouille. Je veux avoir un ménage tout simple, sans complications. Oh, non, ça ne va pas se passer comme ça. Non, je te jure que ça ne va pas se passer comme ça. Calme-toi, Mara. Je suis désolée, tu sais. Désolée, tu as de ces mots. Je t'aime bien, je suis désolée. Tout ça est tiède à mourir. Non, dis. Dis, Jean-François. Tu viendras quand même mercredi prochain. Hein? Tu viendras? Non, Mara, je ne viendrai pas. Bon. Ben, maintenant, il faut que je parte. Il est 8 heures, Roger ne va pas tarder. Tu lui as préparé un dîner? Oh, je t'en prie, alors. Ne joue pas les nourrices. Fous le camp, puisque tu m'as assez vu. Fous le camp, et que je te revois jamais. J'aurais pas voulu qu'on se quitte comme ça, Mara. Et puis, vis-à-vis de Roger... Mais tu ne penses qu'à Roger! Moi, tu t'en fiches! Tu ne te rends pas compte que je ne peux pas vivre sans toi. Mais si! Tu feras comme tu faisais il y a 4 ans avant de me connaître. Oh. Ou bien tu t'attacheras davantage à Roger.
Ou alors, t'en prendras un autre. Mufle. Sale buffat. Je m'en vais. Calme-toi et restons bons amis. Bons amis. Bons amis avec un salaud comme toi. Fous le camp, je te dis. Adieu, Mara. Pardonne-moi. Ça, c'est moins sûr. Excellent, ton petit dîner, Mara. Oh, tu sais. C'est du réchauffé. Je veux pas le savoir, je me suis régalé. Tant mieux. Bonne journée. Oui, et non. D'où vient le nom? Du côté rétro de Carrère. Quoi, je lui donne les moyens de refaire le magasin de Mantes, de rénover l'atelier. Non, monsieur ne veut rien changer. Il est passé, c'est décourageant. Tu ne peux pas insister? C'est parce que j'ai fait, mais il était tu comme une mule. Non, non. Il faudra que je songe à le remplacer par un élément plus jeune. Ce serait cruel, non? Qu'est-ce qui n'est pas cruel en ce monde? Tu veux du café? Non, merci, ma chérie. J'ouvre la radio ou la télé? Si tu te permets, je vais aller me coucher, je suis crevé. Se bagarrer contre un mur, c'est dur. Oh, et puis la route était dure, une circulation épouvantable. Avant, il y avait les heures de pointe, maintenant, c'est tout le temps l'heure de pointe. T'as rempli nos verres d'eau? Oui, mon cher. Malheureusement, je n'avais plus d'eau minérale, c'est l'eau du robinet. Elle risque d'être un peu amère. Oui, chlore et compagnie, on connaît ça. Ils finiront par nous dégoûter de la flotte, on boira plus que du pinard, tu vois. À tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, Roger. Je range la vaisselle et je viens. Désolée. Je tiens à porter à votre connaissance les nombreuses menaces de mort. De Dieu. Dis donc, Fritz, tu as vu ce type? Ça, c'est un gars qui a fait un mauvais coup.
On le saute? Ouais. Allons-y. Ah, mais c'est Fifi, mais comment on se retrouve? T'es bien pressé. Oui, je suis en retard. Si tu passais la nuit au poste, tu seras encore plus en retard. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, cette fois? Rien, je vous jure, rien. Je voulais faire un petit casse, là, en passant. On va aller voir ça. Non, 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 je ne veux pas les revoir. Mais qui ça, tes clients? Ils sont clapsés. Qu'est-ce que tu dis? Deux macabres, blancs et raides dans leur lit. Non, je ne veux pas les revoir, non, je ne veux pas. C'est toi qui les as descendus? Ça va pas? Tu sais bien que j'ai jamais tué personne. T'as un casier où il n'y a plus de place pour écrire dessus. Des petits cas, puis des bricoles. De bricole en bricole vient le moment où on plonge. Allez, Oust. Et où on va? Mais tu vas nous montrer tes découvertes, ça nous intéresse. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas retourner là-bas, je ne veux pas. Ta gueule. Allez, boucle-la et viens. Non, mais j'aime pas ça, j'aime pas voir les morts. Allez, laissez-moi. Allez, c'est au premier, là, je vous attends dans la voiture. Eh oui, c'est ça, en fumant une cigarette. Mais t'as pas peur de t'ennuyer? Tu veux un journal? Allez, viens, bon sang, on te tient, on ne te lâche plus. Allez, par ici, la bonne soupe. Au premier, tu dis? Ah, monsieur Roland, c'est chic d'être venu me voir. Comment vas-tu, Fifi? Ben, vous voyez, c'est pas le Pérou. T'as encore fait des conneries, Un petit casse. Vous me connaissez, monsieur Roland, je suis un petit casseur, rien de plus. Spécialiste de l'effraction de la porte palière. Ben, faut bien rentrer d'une manière ou d'une autre. Hier, pourquoi es-tu allé à cette adresse, précisément? Un mauvais tuyau. Je croyais que le mercredi, il n'y avait personne. Un jour, avec mon rossignol, j'entre, à pas de loup. Faut toujours de la prudence. Je vais jusqu'à la chambre à coucher, je trouve de macabre. Je suis tiré en courant et je suis tombé dans les bras des flics. C'était ma fête. Mets-toi à leur place. Monsieur Roland, vous savez bien que j'ai jamais tué personne. Il faut leur dire. Je leur dirai. Mais si on me laisse croupir ici... Ben quoi? T'as tellement de boulot? Non, mais... Il y a mon chat. Ton chat? Ben oui. Il a déjà pas mangé depuis hier. T'as quelqu'un qui peut s'en occuper? Ou bien veux-tu que j'y aille? Oh, vous êtes chouette. Oh, ça, on peut le dire. Mais il n'y a qu'à téléphoner à ma voisine. Elle a mes clés. Tenez, le numéro est marqué là, sur ce petit papier. Donne-moi ça. Je vais le faire tout de suite. Et qu'elle n'oublie pas de changer la caisse. Je dirai, Fifi, je dirai. Tu as raison, mon petit Durtal, ton Fifi n'est pas en cause. Barbarin et Fritz lui sont tombés dessus comme la visière sur le pauvre monde. Effraction d'une porte palière et tentative de vol, c'est suffisant comme motif, non? Peut-être, peut-être, mais il faut pas lui coller les meurtres sur le dos. En effet, nous avons la preuve, les meurtres ne sont pas de lui. Et attention, les meurtres, jusqu'à présent, il n'y en a qu'un. Le mari qui est à la morgue. La femme, elle, est à l'hôpital et a une chance de s'en sortir. Et comment pouvez-vous prouver que Fifi n'y est pour rien? Parce que les victimes ont été empoisonnées. Écoute, ton Fifi est arrivé une heure après. D'autre part, nous avons trouvé une lettre incendiaire dans le tiroir de la table de nuit de Marat d'Angleu. Apprends cette lettre, Galabert, elle est dans le dossier. Tenez, la voilà, M. Durtal. Merci. À la police en cas de malheur. Messieurs, je tiens à porter à votre connaissance les nombreuses menaces de mort dont j'ai été victime de la part de mon amant au cas où je le quitterais. Il s'agit de Jean-François Fulbert, 18 rue Pernaud. C'est un homme violent et jaloux. Or, je l'ai quitté aujourd'hui, mercredi, après avoir passé la journée avec lui, et je crains le pire. C'est signé Marat d'Angleux. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été empoisonnés tous les deux. Comment ça? Ils buvaient chacun un verre d'eau en se couchant. Or, les deux verres contiennent des traces de cyanure. Et les deux verres portent d'autres empreintes que les leurs. Sûrement celle de ce Jean-François. Eh oui, pas de doute. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il n'y a pas besoin de saisir un verre à pleine main pour y verser quelques gouttes de cyanure. Mais, et puis, quand l'aurait-il fait? Il suffit d'un moment d'inattention de la part de Madame d'Angleux. Fulbert a passé tout le mercredi avec elle. Mais ces verres d'eau pour la nuit n'étaient pas déjà préparés. Enfin, ça ne tient pas debout. Si, Madame d'Angleux a pu les verser avant le retour de son mari. De toute façon, les empreintes, elles y sont. Le labo est formel. Ça ne joue pas. Enfin, ça ne joue pas. Ça ne tourne pas rond, votre histoire. Qu'est-ce qui te chiffonne?
que ce Fulbert ait tué par passion la femme qui venait de le quitter. Bon, on peut l'admettre. Mais au nom du ciel, pourquoi tuer le mari? Et pour ne pas laisser de témoins. Ça me paraît un mobile bien faible pour un double crime. Et puis où est-il, ce redoutable gaillard? Absent jusqu'à demain. Nous sommes allés chez lui pour l'interroger et nous avons trouvé une petite jeune fille qui nous a dit qu'il était à Londres pour ses affaires. Et ses affaires, c'est quoi? Des boutons. Une ta petite boîte, mais à lui. Vous allez le cueillir à sa descente d'avion, je pense. Et comment? Vous avez interrogé la petite qui était chez lui? Oh, celle-là. Le bon Dieu sans confession. Ce sont les pires. Et n'oublie pas, Galabert, que le poison, c'est une arme de femme. Naturellement, tu as déjà trouvé un nouveau coupable. Faudrait demander au préfet s'il n'a pas envie d'aller au champ. Tu pourrais briller sa place. C'est dingue, non? Étonnant. Où les as-tu trouvés? C'est un copain qui les fait. C'est de la céramique. Avec ça, tu es paré. Tu files chez la nana avec tes boutons et tu essaies d'en tirer quelque chose. D'accord. Tu as les détails en tête? Enregistré, monsieur Roland. Bon. C'est là? Attends, 18 rue d'Irnaud. Oui, c'est là. Allez, ciao. Bonne chance. J'ai cru que ça portait le bocon de dire ça. Qu'il fallait plutôt dire un vilain mot. Les Américains se disent bonne chance pour un oui ou pour un non. Et je vois pas qu'ils en aient moins que les autres. Je veux réhabiliter le good luck. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, patron. Et les couleurs, pardon. Tenez, je suis en train de me tricoter un long manteau gris. Regardez. Oh, le joli point. Il est assez compliqué, mais une fois qu'on a la main, vos boutons seraient du tonnerre dessus. Mais il faut revenir demain. Vous ne voulez pas que je vous les laisse? Pas besoin de me les payer tout de suite. Non, j'aime mieux attendre Jean-François. Enfin, Monsieur Fulbert. Il rentre demain? Oui, au début de l'après-midi. Il aura peut-être un peu de retard, vous ne vous inquiéterez pas. Du retard? Pourquoi? Parce que la police doit l'attendre à l'aéroport pour lui poser quelques questions. La police? Qu'est-ce qu'il a fait? Rien, je crois. Mais peut-être qu'il a été témoin de quelque chose. De grave? Assez, oui. Quand ça? Mercredi. Ah, le jour où il allait voir sa vieille maîtresse? Comment? Vous êtes au courant? Même qu'il l'a plaqué définitivement et qu'on a bu le champagne quand il est rentré. Et il est rentré tard? Vers 8h30 du soir, comme d'habitude. Mais dites voir, pour vendre des boutons, vous en posez des questions. Vous ne seriez pas de la police, vous aussi? Sur les bords. Ça veut dire quoi, ça? J'ai loupé mon examen d'entrée, alors je travaille pour un privé. Qu'est-ce que vous aviez fait pour louper cet examen? Une bavure au judo. J'ai cassé le bras du capitaine instructeur. C'est pas tout ça, mais... Pourquoi on veut interroger Jean-François? Il a rien vu, il me l'aurait dit. Il vous dit tout? Tout. On s'adore, on va se marier. Il y a longtemps qu'il m'a promis de quitter cette femme, mais c'était un vrai pot de colle. Et lui, pauvre chou, il manquait peut-être un peu de courage. Il remettait toujours à la semaine prochaine. Eh ben, le pot de colle, il est dans le manfêlé. Comment ça? La dame est à l'hôpital. Quoi? Mon Dieu, elle s'est suicidée? Dans le meilleur des cas. À cause de Jean-François? Elle a peut-être mal encaissé la rupture. Enfin, la police pense pas qu'il y ait pour quelque chose. Mais s'il avait été au courant de quoi que ce soit, il me l'aurait avoué tout de suite. Il est rentré tout joyeux, il m'a dit « Apporte une rôdeuse, j'ai exécuté ma vieille. » Espérons que c'est qu'une image. Mais s'il est retenu demain, attendez-le sans impatience. Je vous tiendrai au courant si vous voulez. Ah oui, chouette de votre part, je bougerai pas d'ici. Tenez, voilà le numéro de Bigophone.
êtes sûr qu'ils sont jolis? Il n'y en a pas deux pareils. Et les coloris? Je vous les donne. Mais non, pourquoi? Je vais les payer. Mais inutile, c'est un copain qui me les fait. Je les ai pris pour entrer en matière avec une petite nana suspecte. Encore une histoire à Monsieur Roland. Comme vous dites, Mme Marie, une histoire à Monsieur Roland. Alors vous voyez, ces boutons, ils ont fait leur travail. Moi, je ne sais plus qu'en faire. Eh bien, moi, je sais. Vrai, vous en avez besoin? Tiens, passe-moi ça. Oh, cet énorme tricot. Oh, qu'est-ce que vous faites de beau, Mme Marie? Pour toi. Mais oui, pour Noël. Oh. Un de ces longs manteaux à la mode. Pour moi? Oh, Mme Marie, tout ce boulot. J'aime bien tricoter. Le soir, j'écoute la radio et je tricote. Ça vaut mieux que de rester bouche ouverte devant la télé. Oh, ma foi, oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il est batte, le poing. Ah oui, ces mailles tendues, ça donne du port. Et alors, vois-tu, je me demandais quel bouton je pourrais mettre. Si tu es d'accord, la question est réglée. Et il y en a juste 12. Et tous différents. C'est un artiste, ton copain. Ouais, comme tous les artistes. Il vit mal. Alors, laisse-moi te les payer. Mme Marie, vous avez remarqué? Remarqué quoi? Ça fait 3 fois que vous me tutoyez. T'es venu tout seul. Ça t'ennuie? Oh, au contraire, je ne peux pas vous dire le plaisir que ça me fait. Ça devait arriver. Alors, pourquoi tu ne veux pas de sous pour ta collection de boutons? Parce que je ne veux pas les toucher 2 fois. 2 fois? Monsieur Roland me les a déjà payés. Instrument de travail, vous comprenez? De travail, laisse-moi rire. Quand je lui achète des blocs pour ses cours en Sorbonne, il râle parce que le papier a augmenté. La Sorbonne, c'est pas du travail. Oh, sûrement que si, mais... Il y a 2 points de mesure, voilà tout. Il y a ce qui l'amuse et ce qui l'amuse moins. Ah tiens, il me semble que je l'entends. Pourvu qu'il n'amène personne, j'ai que 2 côtelettes. Je vais voir. Bougez pas, Mme Marie! Allez, par ici, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai kidnappé Jean-François à l'aéroport avant que la police ne le fiche dans un panier à salade. Ah! Allez, par ici. Nous avons à parler, tous les deux. Alors, Didine? Merci, Monsieur Durtal. Je sais qui vous êtes, j'ai confiance. Et je vous jure que j'ai rien fait. Ça va être très difficile à prouver. La police possède des preuves accablantes. C'est impossible. Quelle preuve? Une lettre accusatrice de la main de la victime. Et vos empreintes sur les 2 verres. Les empreintes? Ouais. Mais voyons, comment y aurait-il mes empreintes? Écoutez, je m'intéresse à vous, mais je ne pourrais rien faire si vous n'êtes pas d'une franchise absolue. Je le saurai, Monsieur Durtal. Je vous jure que je le saurai. Allez, Fifi, loin. Comment ça, inspecteur? Loin, je te dis, on t'a assez vu. Tu peux être occupé de ton chat et de tes plantes vertes. Vous me relâchez, c'est vrai? Oui, mon vieux. Pour avoir empoisonné 2 personnes au cyanure, tu fais pas le poids. Allez, allez, file. Oh, merci, inspecteur. Mais écoute-moi bien. Ne reviens pas trop souvent ici. Autrement, tu vas prendre pension et c'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Ah non, non. Je vous promets de faire attention. Bon, alors va t'inscrire au demandeur d'emploi. Le travail n'a jamais fait mourir personne. Ça fait presque 4 ans. C'est pourquoi la rupture était difficile à envisager. Comment l'avez-vous connu? Oh, je faisais de la représentation à l'époque. Déjà des boutons. J'étais pas encore à mon compte. Elle a tout juste jeté un coup d'œil sur ma collection et elle m'a dit... Allez, jeune homme, je vous achète le tout. 2000, ça vous va? Oh, mais madame... Quoi, mais madame? C'est pas assez? C'est beaucoup trop. Il y en a pour 800 francs. C'est beau, l'honnêteté. Tenez, asseyez-vous 5 minutes. Hein? On va boire un verre. Whisky? Je ne dis pas non, madame. Ça vous plairait d'avoir votre petite boîte de boutons à vous? Si ça me plairait, bien sûr. C'est mon but.
J'économise pour ça depuis longtemps. J'ai de très bons fournisseurs, des artistes, des sculpteurs sur bois, sur métal. Je peux me faire une spécialité de bouton de luxe. À ta santé. À votre santé, madame. Ne t'inquiète pas. Je tutoie tout le monde. Il est bon, mon whisky. Formidable. Mon père, qui était paysan, il disait quand il buvait un bon coup, ça fait du bien par où que ça passe. Excellente formule. Je la monte, moi, la boîte de bouton de luxe. À quelles conditions? Aucune condition. Un gros pourcentage, tout de même. Mais non. Rien de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne suis pas riche, mais à l'aise avec quelques économies. Tout de même, personne ne fait rien pour rien dans ce monde. Ou comment l'esprit vient au garçon. Tu as bien raison. Au fait, c'est comment ton prénom? Jean-François. Pas mal. Je m'appelle Mara. C'est un très beau nom. Mara. Comme ça vous va bien. Et une lampée de whisky? Pourquoi pas. J'ai fini ma journée. Merci. Si je te raconte ma vie, je t'ennuie? Pas le moins du monde. Je suis curieux de nature. Ne te réjouis pas trop. C'était pas du ciné pour nous. Dommage. Voilà. J'ai un mari très ennuyeux. Qu'est-ce qu'il vend? De la photographie industrielle. Ah, autre chose que des boutons. Mais les boutons, c'est plus joli. Alors tu vois, je te la monte, ta jolie petite boîte de boutons. À condition que tu viennes me tenir compagnie le mercredi. Mercredi? Mais pourquoi le mercredi? Parce que mon mari, pour ennuyeux qu'il soit, est présent le reste de la semaine. Mais le mardi soir, il part pour Mantes-la-Jolie, où il a un atelier, un laboratoire. Il part le mardi soir. Il aime conduire la nuit et a ses habitudes dans un petit hôtel de Mantes. Je le soupçonne du reste de me tromper, mais ça m'est égal. À dire le vrai, je ne l'aime pas. Mais enfin, il tient de la place dans la maison et je dois m'en occuper. Tandis que le mercredi, je m'ennuie à mourir. Viens me tenir compagnie, Jean-François. Un bouton par semaine. Non, ce sont des boutons en or, en diamant, Mara. Non, laisse. Laisse, grand fou, ce n'est pas mercredi. Pour moi, ce sera mercredi toute la semaine. Et voilà, c'était parti pour 4 ans. Ah oui, monsieur Durtal. Non, je ne veux pas être ingrat. Mara a été une maîtresse délicieuse, tendre, sensuelle, maternelle aussi. J'ai été très heureux avec elle jusqu'au jour où j'ai rencontré Agnès. C'est Yvette que vous appelez Agnès? Oui, oui, c'est l'innocence même, la fraîcheur. J'ai une folle envie de l'épouser, d'avoir des gosses et puis de ne plus sortir le mercredi. Je t'ai fait des raviolis, j'espère qu'ils seront bons. J'ai mis du parmesan et du concentré de tomate. Oh. Chérie, comment les as-tu fait cuire? Ben, au four. Directement? Ben ouais. Mais t'as oublié de les faire bouillir avant. Il fallait. Viens m'embrasser, mon Agnès. Oh, m'appelle pas Agnès, ça m'énerve. J'ai l'impression que tu parles à une autre fille. C'est un très joli personnage de Molière. À qui tu ressembles? Je te lirai la pièce, un de ces jours. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, c'est pas mangeable, ça. On va ouvrir une boîte de sardines. T'as du beurre? Ouais.
exprès, quand t'as pas l'air sûr. C'est-à-dire que je l'ai laissé sous la lampe et qu'il est tout fondu. Je l'ai bien remis au frigo dans une tasse, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Ça va donner le meilleur déjeuner du monde, ma chérie. Laisse-moi faire. Et Mara d'Angleux a commencé à devenir pesante. Pesante, oui, c'est le mot. D'autant qu'elle avait pris son mari en grippe et voulait le quitter. Elle m'a même dit une fois, on pourrait se débarrasser de lui, ce serait facile. Il boit toujours un grand verre d'eau avant de se coucher. Il boit toujours un grand verre d'eau avant de se coucher. Il n'y a qu'à mettre quelque chose dedans, voilà tout. Mais Mara, tu parles de le tuer? Si tu étais vraiment amoureux de moi, tu ne me poserais pas la question. Dès lors, quitter Mara est devenu le but de ma vie. Mais je reculais toujours. Je la craignais. Même ma petite avait pitié de moi. T'as encore rien osé dire, mon pauvre? Bah, ce sera pour la semaine prochaine. Et vous n'avez pas cherché à vous débarrasser d'elle d'une façon radicale? Par manque de courage? Mais pourquoi prendre des risques? Je lui ai signifié notre rupture. Et je lui ai dit que j'aimais une jeune fille et que j'allais l'épouser. Ça s'est passé facilement? Oh non, elle était folle de rage. Si ses yeux avaient été des lasers, je serais plus là pour le raconter. Ensuite, vous êtes parti? Oui, j'ai couru chez moi boire le champagne avec Agnès pour fêter la liberté. La liberté? Vous avez de ces mots? Vous croyez vraiment qu'ils vont m'inculper? Votre parole contre celle d'une mourante, ça va être très difficile. Et puis il y a vos empreintes, bon Dieu! Essayez de vous rappeler comment les deux verres pourraient porter vos empreintes. Oh mon Dieu, je ne vois pas. Si le labo décèle que ce sont les vôtres, je ne vois pas ce que nous pourrons dire. Alors, je crois qu'il faut songer à y aller. Oui. Est-ce que je peux téléphoner à Agnès? Si vous voulez. Mais mon assistante l'a déjà averti. Oh, merci beaucoup. Mais j'aimerais bien entendre sa voix. Allez-y, mon vieux, allez-y. Allô? C'est toi, Yvette? Non. Non, tu vois, je t'ai pas appelé Agnès. Oui, je sais que ça t'énerve. Non, je suis chez Monsieur Durtal. Oh, il a tout fait pour m'aider. Non, mais maintenant, il faut que j'aille à la police. Ouais, ma petite chérie, je sais pas s'ils me relâcheront. Bravo. T'es courageuse, ça me fait du bien. Je t'aime. Au revoir, mon amour. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ah, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Mais mes empreintes! Mes empreintes, je me souviens. Racontez vite. Voilà. Mara m'offre un verre. Oui. Je le bois. Et maladroitement, elle le renverse. Oh, quelle gourde je suis! Non, laisse. Non, attends, je vais te donner un autre verre. La moquette n'est pas bonne. Elle m'a donné un autre verre. Donc, deux verres portaient mes empreintes. Par hasard, parce que c'était bien avant la rupture. Donc, les deux verres qui contenaient du cyanure portent vos empreintes. Oui, mais ce cyanure, où est-ce que je l'aurais pris? Roger était photographe. Il devait avoir une provision de cyanure de potassium. Du diable, si je sais où il le mettait. Mara ne vous a jamais parlé de ça? Si. Si, elle m'a dit qu'il gardait toujours la clé de l'armoire sur lui. Roger? Oui, Roger. Voilà peut-être un élément favorable. J'ai pas pu lui prendre sa clé puisque je suis parti avant qu'il n'arrive. Ils ne sont que deux à avoir pu se servir de cette clé. Le mari et la femme. Et Roger n'avait aucune raison de tuer Mara. Mais elle, oui, pour vous perdre. La croyez-vous capable d'une telle vengeance? Non, franchement non. Elle a voulu réussir un diabolique tiercé. Tuer son mari, se suicider
et vous envoyer en prison pour la vie. Notre seule chance est qu'elle ne soit pas morte. Si elle peut parler, c'est à l'hôpital que nous trouverons les deux clés. Celle de l'armoire et celle du mystère. En tout cas, je peux vous dire que le chef ne décolère pas. Et il a dit qu'il était habitué à vous mettre le fantaisiste, mais que c'était la première fois que vous kidnappiez un coupable. C'est que précisément, Fulbert n'est pas coupable. Si je vous avais laissé faire, il serait au dépôt et l'enquête dans une impasse. Au dépôt, je suis obligé d'y envoyer jusqu'à Nouvelle-Aville. Les preuves contre lui sont accablantes. Il y a surtout la lettre accusatrice de Marat d'Angleux. Quel est son état de santé? À sentir. Les médecins nous accordent 10 minutes pour lui faire confirmer sa lettre. Laisse-nous venir, Fulbert et moi. Vous n'y pensez pas. Si elle voit Fulbert, elle est capable de se rétracter. C'est une chance à courir. La seule qui reste à Fulbert. Et où est-il, ton Fulbert? Là, dans le bureau des inspecteurs. Ça discute football et magouille des dirigeants. Je n'ai rien à dire. Madame, nous sommes en possession d'une lettre de votre main où vous formulez une très grave accusation. Il est nécessaire que vous confirmiez cette déclaration. Je n'ai rien à dire. Désirez-vous que l'on vous donne lecture de cette lettre? Non. Maintenez-vous l'accusation qu'elle contient contre Jean-François Fulbert, 18 rue d'Ernaud? Je n'ai rien à dire. Si oui, pouvez-vous nous dire quand et comment il aurait agi? Je n'ai rien à dire. Messieurs, Madame d'Angleux est encore très faible. Je regrette, il vous faudra revenir plus tard. Ce ne sera peut-être pas nécessaire, docteur. Entrez. Toi. Marat. Toi, Jean-François. Tu es venu. Tu es venu. Alors que j'ai tout fait pour te perdre. Je te pardonne, Marat. Tout ce que tu as fait, tu l'as fait par amour. Je voulais t'enlever la lumière du jour. Je voulais t'enlever ton nouveau bonheur. Je voulais mourir pour que tu sois malheureux. Précisez, madame. Ne cherchez plus. C'est moi qui ai tout fait. Mon mari est rentré. Il a mis sa robe de chambre. J'ai pris la clé dans la poche de son complet. J'ai empoisonné les verres qui, par hasard, portaient les empreintes de Jean-François. J'ai écrit cette lettre que je renie. Tout est mensonge. J'ai voulu mourir. Je n'y ai pas réussi. Merci, madame. C'est tout ce que nous voulions savoir. Tout est noté, Barbara. Tout est noté, chef. Pour conclure, vous affirmez le contenu de votre lettre. Oui. On dit que ceux qui vont mourir ne mentent jamais. Moi, j'ai menti. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas morte. Le diable et le bon Dieu ne sont pas toujours d'accord, madame. Allons, venez, Fulbert. Adieu, Marat. Puisque tu m'as pardonné, je vais pouvoir vivre. En pensant à nos quatre bonheurs. Je ne les regrette pas, Marat. Merci, Jean-François. Cette fois, messieurs, je suis obligé de vous prier de vous retirer. Et sans tarder. Madame d'Angleux n'est pas en état de vous écouter davantage. Je ne réponds plus d'ordre. Ça fait long. Mince, ça fait long. T'énerve pas, Yvette. Dix minutes, ils avaient dit. Ça va faire la demi-heure. C'est bon signe. Comment ça, bon signe? C'est la preuve qu'elle parle. Et si elle parle, on est bon. Tu crois qu'elle va avouer? Tu crois que Jean-François sera libre? Je te le promets.
Comment peux-tu me le promettre, Didine? Qu'est-ce que t'en sais? Tu vas voir. Cette porte va s'ouvrir. Le maire va entrer avec sa grande écharpe. Et il va dire... Yvette, vous pouvez faire publier les bans. Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir L'Affreux, un film radiophonique de Louis Rognoni. Asseyez-vous. Merci. À qui ai-je l'honneur? C'est sans importance. Que vous n'ayez pas voulu donner votre nom à ma secrétaire, à la rigueur, je peux le comprendre. J'avais mes raisons. Je le suppose. Mais ces raisons ne sont plus valables à présent. Je vous rappelle que je suis tenu, moi, au plus strict respect du secret professionnel. Je sais. Et ce secret professionnel s'étend à votre identité. Je sais. Alors, cher monsieur, que vous importe de savoir qui je suis? Et tout de même, monsieur, tout de même, les rapports d'un avocat et de son client doivent être empreints de la plus grande confiance. Et comment parler de confiance entre nous si vous commencez par refuser de me dire qui vous êtes? Vous n'avez pas besoin de le savoir et vous ne le saurez jamais. Monsieur, j'ai grand-peur que vous ne vous soyez trompé d'adresse. Je ne pense pas. Sauf quand le bâtonnier me commet d'office pour assumer la défense d'un délinquant, je suis toujours libre d'accepter ou de refuser de m'occuper d'un dossier. Alors... Vous êtes bien... Jean-Marc Robineau, avocat à la cour? Oui, c'est inscrit sur la plaque de cuivre apposée sur ma porte. C'est donc la preuve que je ne me suis pas trompé d'adresse, c'est bien vous que je suis venu voir... Écoutez, monsieur, j'ignore la nature de la consultation que vous êtes venu chercher ici et je veux continuer à l'ignorer. Il n'est pas dans mes principes de donner des conseils à des inconnus. Je n'ai que faire de vos conseils. Eh bien, monsieur, parfait. Brisons là cet entretien. Non. Mais, monsieur... Je n'ai encore rien dit. Et puisque je vous affirme, moi, que je ne suis pas disposé à vous entendre... Restez assis. Restez assis, écoutez... Que cela soit ou non conforme à vos principes, vous m'écouterez. Les mains sur votre bureau, s'il vous plaît. Non, n'essayez pas d'appeler votre secrétaire, elle n'est pour rien dans cette affaire, la pauvre. Il me serait très désagréable d'être obligé de la faire taire. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à me dire? Hein? Bon, vous êtes tout de même disposé à m'écouter. Je vous écoute parce que je ne peux pas faire autrement. Mais quoi? De quoi pouvez-vous me menacer? Ce n'est pas vous qui avez la situation en main, c'est moi. Quand vous m'avez fait entrer dans cette pièce et que vous m'avez prié de prendre place dans ce fauteuil légèrement
plus bas que le vôtre. Habile mise en condition, à quoi pensiez-vous? Je pensais, monsieur, que j'avais devant moi une journée chargée, que je n'avais que quelques minutes à accorder à ce visiteur qui n'avait pas voulu dire son nom à ma secrétaire. Vous avez pensé que vous aviez affaire à un client? Oui, c'est ainsi que nous nommons ceux qui ont recours à nos services. Bel exemple de déformation professionnelle. Un homme demande à être reçu par vous, c'est un client. Je ne suis pas votre client et je n'ai nulle intention de le devenir. Le client, ce serait plutôt vous. Vous êtes sur ma liste. Quelle liste? La liste de mes clients. À moi. Tant que vous parlerez par énigme, comment voulez-vous que je vous comprenne? C'est vrai, votre temps est précieux et plus précieux encore que vous ne l'imaginez. J'irai donc droit au but. Enfin, presque. Sinon, vous auriez à vous en repentir. Je suis un tueur. Et vous êtes sur ma liste. C'est clair, cette fois? Vous êtes un tueur, oui. Ah non, pas un de ces tueurs aux abattoirs. Mais quel horrible métier! Comment peut-on s'attaquer à des bêtes innocentes? Pour quelques très rares abattoirs modernes, tous les autres fonctionnent dans des conditions révoltantes de barbarie. Je n'ai rien de commun avec ces gens-là. Mon gibier à moi, c'est l'homme. Et votre compassion pour les animaux ne s'étend pas jusqu'à l'espèce humaine? Aucun humain n'est véritablement innocent. Mais pourquoi prenez-vous la peine de m'avertir que je suis sur votre liste? Connaissez-vous des hommes qui se rongent les ongles? Oui, sans doute. Oui, mais... Y a-t-il parmi eux des gens intelligents? Ah, j'ai quelques amis très intelligents qui, en effet, se rongent les ongles. Mais je... Oui, n'avez-vous pas, parmi vos relations, d'autres individus très intelligents, eux aussi, et qui sont atteints de claustrophobie, qui, par exemple, refusent de prendre un ascenseur? C'est possible, en effet. Mais encore une fois... Et parmi les habitués des champs de course? Mais enfin, monsieur... Non, répondez quand je vous interroge. Existe-t-il des gens intelligents qui jouent aux courses? C'est évident. Mais je... Ce qui est donc évident, c'est que dans toutes les catégories d'individus, quel que soit leur vice, leur phobie ou leur manie, il existe des gens intelligents. Alors, pourquoi en serait-il autrement chez les tueurs? Jusqu'à ce jour, je ne m'étais pas posé la question. L'occasion se présente aujourd'hui et ça vaut la peine d'y réfléchir. En effet. Parce que vous êtes un tueur intelligent, vous éprouvez le besoin de discuter avec moi avant de passer à l'action. C'est bien cela? En quelque sorte, oui. Oui, 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 oui. Un autre se serait contenté d'exécuter, c'est le cas, ou jamais de le dire, le petit boulot qu'on lui avait confié, puis de disparaître dans la nature après avoir touché son fric, bien entendu. Et pourquoi n'agissez-vous pas ainsi? Notez bien que ce n'est pas un reproche, hein? C'est de la curiosité. Mais je comptais sur votre curiosité et je vais même la satisfaire. En partie, du moins. Je me suis renseigné et ce que je vois ici confirme l'exactitude de mes renseignements. La somme qu'on m'a offerte pour vous supprimer ne correspond ni à votre train de vie, ni à vos signes extérieurs de richesse. Si je n'y avais pas pris garde, vous alliez mourir très nettement au-dessous de vos moyens. Ah, nous y voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît? Comme si vous n'aviez pas compris. Nous y voilà. Au moment de sortir le carnet de chèques pour rédiger un premier chèque, qui sera suivi de nombreux autres par la suite, si j'avais la faiblesse de céder à ce chantage. Seulement, je ne cède pas. Et si vous n'êtes pas satisfait du prix qui vous a été offert, il faut vous plaindre à vos employeurs. Dois-je comprendre que la vie ne vous intéresse pas? Vous comprenez ce que vous voudrez, ça m'est bien égal. On ne vous impressionne pas facilement. Non. Il vous semble tout à fait invraisemblable qu'un ou plusieurs individus aient décidé de vous supprimer?
Vous me faites beaucoup de peine en me tendant un piège aussi grossier. Moi aussi, je suis tenu par le secret professionnel. C'est vrai. J'oubliais que vous êtes intelligent. Oui. Et plus encore que vous ne le pensez, aussi je n'espère pas vous convaincre en une seule entrevue. Pour vous qui avez rendu visite dans les parloirs des prisons à quelques délinquants de seconde zone et qui vous imaginez tout connaître du monde du crime, le tueur est un personnage mythologique, tout juste bon à figurer dans un roman ou dans un film de série B. Est-ce que vous avez un annuaire téléphonique de la ville ? Oui. Enfin, pendant cette pièce, c'est ma secrétaire qui les a... Attention, attention. Attention. N'allez pas en profiter pour lui glisser discrètement dans l'oreille d'appeler la police. Mais enfin, je n'en suis pas à mon premier interrogatoire policier. En France ou ailleurs, j'ai beaucoup voyagé. Vous seriez tout à fait surpris du résultat d'une confrontation entre nous deux. Vous allez gentiment... Cherchez cet annuaire parce qu'il contient un renseignement essentiel concernant l'affaire dont je vous ai demandé de vous occuper et dont vous ne pouvez souffler mot aux policiers en vertu du fameux secret professionnel. Allez-y, je vous attends. Ne soyez pas trop long surtout. Et laissez la porte ouverte, n'est-ce pas? Et puis votre secrétaire est charmante, alors pensez à elle. Mademoiselle, s'il vous plaît, l'annuaire. Merci. Voici. Non, non. Gardez-le. Je ne pense pas qu'on puisse y relever mes empreintes, mais enfin, sait-on jamais. D'autant que vous n'avez pas quitté vos gants. C'est juste, oui. Disons alors qu'il me gênerait pour tourner les pages. C'est à la lettre B. Vous y êtes ? Bien. Tournez trois pages. Vous y êtes ? Oui. Bien. Tout en haut de la colonne de gauche, si ma mémoire est fidèle. Le sixième nom. Boisset. C'est ça. Téléphone 60... 41, 22. Exact. Oui. Et alors? Vous vous connaissez, je crois. Oh, je n'ai pas à répondre à cette question. Aucune importance. Vous y avez déjà répondu. C'est Boisset qui vous donnera la preuve que je suis bien ce que je prétends être. Quelle preuve? Il est sur ma liste. Oui. J'essaye de grouper les clients pour réduire les frais. Alors quand il y passera, peut-être reconsidérerez-vous ma proposition avec toute l'attention qu'elle mérite. Et vous aviez besoin de l'annuaire du téléphone pour m'indiquer ce nom? Certainement pas. J'ai une excellente mémoire, mais je voulais voir jusqu'à quel point vous me considériez comme un fou. Les fous, il ne faut pas les contrarier, n'est-ce pas? Alors quand je vous ai demandé d'aller chercher cet annuaire, on n'avait pas discuté. Si j'étais fou, mais vraiment très fou, j'aurais commencé par vous dire que je ne l'étais pas. Ça aussi, c'est classique comme test. Seulement, je ne l'ai pas dit. Pour la bonne raison que je le suis tout de même un peu. Alors, mon cher maître, soyons sensés. Ne faut-il pas être un peu fou pour faire le métier que je fais? Même intelligemment? C'est pire. Il n'y a rien de plus terrible et de plus inutile aussi que la lucidité. Ah, une dernière recommandation avant de vous quitter. Ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a de commun entre Boisset et vous. Ce ne sont pas les mêmes employeurs qui ont commandé les deux chantiers. Vous comprenez qu'on ne puisse vous en dire davantage. Pour Boisset, on a été plus généreux, bien que sa situation de fortune soit inférieure à la vôtre seulement. Il s'agit d'un travail plus compliqué. Il y a une question... L'assurance qui rentre en jeu. Ah, il faut que ça ressemble à un accident.
Pour vous, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Hein? Ah. Mm-hmm. Un avocat abattu, une vengeance de truand, ne cherche pas plus loin. Oui. Mais tout de même, 15 000 francs, c'est vraiment se moquer de l'ouvrier? Ça ne représente pas la 20e partie de ce que vous déclarez au fisc. Alors, quand on songe au reste... Bon, je vous téléphone très bientôt. Je suis persuadé que nous trouverons un terrain d'entente. Alors, mon cher maître, la vie est belle et elle mérite bien qu'on lui sacrifie quelques billets avec un chirurgien ou ne lésinoriez pas. Alors, non, ne me reconduisez pas. Je connais le chemin. Christine, ma chère Christine, je suis navré, confus et désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps. L'audience s'est prolongée bien au-delà des limites prévues. Je ne sais comment me faire pardonner. Jean-Marc, c'est moi qui ai insisté pour venir alors que je savais qu'il vous était difficile de me recevoir. Je ne pensais pas être retenu si tard. Et je ne vous connaissais pas cette patience. J'avais besoin de vous voir et je ne pouvais pas m'expliquer par téléphone. Des ennuis? Oui, plutôt. Grave? Je le crains. Il n'y a que vous à qui je puisse m'adresser. Je suis venu chercher vos conseils. Les conseils de l'ami ou ceux de l'avocat? Ceux d'un avocat ami ou d'un ami avocat, comme vous voudrez. La nuance a son importance. L'ami se doit de vous offrir un verre de whisky, tandis que l'avocat s'interdit une telle familiarité envers une si jolie cliente. Je trouve que le whisky est une excellente idée. Oh, moi aussi, pour ne rien vous cacher, cela fait des heures que je pense au verre qui m'attendait ici. Et de l'eau? Non, merci. Oh, puis si, un peu, ça sera plus raisonnable. J'ai déjà bu deux verres avant de venir chez vous. Mais ça ne vous ressemble pas, Christine, que se passe-t-il? Eh bien, je crois que j'ai fait une bêtise. Vous n'avez révolvérisé personne? Oh, non. Ni volé à l'étalage d'un grand magasin? Non, non plus, non. Ah, effectivement, c'est très grave. Quand une femme du monde ne tire pas sur son mari ou son amant, ou ne chaparde pas dans un magasin, il ne peut rien lui arriver d'autre que de divorcer. Vous n'avez pas l'intention de divorcer, Christine? Non, c'est justement à cause de cela que c'est grave. Ah, buvez et racontez. Racontez-moi calmement cette bêtise que vous pensez avoir commise. Oui, il n'y a pas de doute. Je l'ai faite. Racontez, je vous écoute. Je ne sais pas par où commencer. Adoptons l'ordre chronologique. Hein? Qu'en pensez-vous? À quand remonte cet événement qui a déclenché chez vous ce besoin de venir me demander conseil? Et de m'attendre patiemment malgré mon impardonnable retard. À quand remonte cet événement? Ça s'est passé ce matin. Juste avant votre coup de téléphone, par conséquent? Oui, quelques minutes avant. Il venait de partir. Qui? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, conservez votre calme. Vous m'avez téléphoné à 10h30, je partais pour le palais. Que s'est-il passé quelques minutes avant 10h30? La domestique était sortie, elle était allée faire le marché, j'étais seule à la maison. On a sonné, je suis allée ouvrir. Il était là. Mais qui? Je ne sais pas. Que vous voulez, cet inconnu? C'est grotesque. Maintenant, je me rends compte, c'était parfaitement grotesque. Mais sur le moment, quand il parlait, lui, tout semblait tellement logique. Terriblement logique. Vous allez vous moquer de moi? Certainement pas. Quand on veut essayer d'y voir clair, rien de tel que le rapport du gendarme. Avant de me dire les raisons de votre émotion, ne pouvez-vous pas me décrire votre visiteur? Quand je l'ai vu sur le pas de la porte, j'ai ressenti comme une impression bizarre. Il ne ressemblait ni à un placier en aspirateur, ni à un représentant en assurance. Comprenez-vous, il était... Oh, comment dirais-je? Il était déplacé. C'est ça, déplacé. Il n'était pas à sa place. Il n'aurait pas dû sonner à ma porte à 7h de la matinée et mes premiers mots ont été « Monsieur, vous faites erreur. » Tant sa présence me semblait insolite. Une fausse note. Vous comprenez ce que je veux dire? Très bien. Dans un rapport de gendarme, on n'emploierait pas tout à fait les mêmes formules, mais ce début de portrait en vaut un autre.
S'il avait sorti de sa poche une carte de police, je n'en aurais été qu'à moitié étonnée, quoique son allure se rapprochât davantage de celle d'un privé de série noire américaine que celui d'un inspecteur français. Vous connaissez beaucoup de policiers ? Non, pratiquement pas. Mais je vais souvent au cinéma. Tenez, voilà le mot que je cherchais. C'était un personnage de cinéma. Rien dans son habillement qui pût le distinguer des autres hommes de la ville, et cependant, au milieu d'eux, on l'aurait immédiatement repéré comme étant l'étranger. Quel âge environ ? Difficile à dire. Un peu moins de la quarantaine, mais la quarantaine sportive. Grand, large d'épaules, et ce regard. Ce regard qu'on ne voit qu'au cinéma, dans certains gros plans. N'avez-vous rien remarqué d'autre ? Un détail susceptible d'entrer dans la rubrique « signe particulier ». Non, c'est-à-dire... Si, mais... C'est idiot et ce n'est sûrement pas ce que vous me demandez. Il ne faut rien négliger. Je vous écoute. Pendant tout le temps qu'a duré sa visite, il n'a jamais quitté ses gants. C'était très désagréable chaque fois que je voulais éviter son regard tellement inquiétant. Mes yeux étaient attirés par ses mains. Et elles étaient gantées. Les mains d'un homme sont souvent aussi expressives que son visage, et ses gants, c'était comme un masque. La visite a duré longtemps ? Oh oui, une bonne dizaine de minutes. Et à aucun moment il n'a enlevé ses gants ? Non, jamais. Il les avait encore quand il a glissé le chèque dans la poche de son veston. Le chèque ? Quel chèque ? Celui que je lui ai signé. Vous lui avez signé un chèque ? Oui, au porteur naturellement. La bêtise dont je voulais vous parler, Jean-Marc, c'est ça. Et sous quel prétexte vous a-t-il extorqué cet argent ? Combien, en fait ? 20 000. Et le prétexte ? Il m'a déclaré calmement, comme si c'était là l'occupation la plus naturelle du monde, qu'il était tueur à gages. Oh, et puis pourquoi poursuivre ? À le raconter, je me rends bien compte que c'est ridicule. Ce n'est pas possible à raconter, il fallait vivre la scène. Il vous a dit que vous étiez sur sa liste. Oui, c'est ça, enfin, quelque chose comme ça. Et il a ajouté sans doute qu'il était un tueur intelligent. Oui. Comment le savez-vous ? Ah, je devine. C'est une escroquerie bien connue, n'est-ce pas ? Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Moi non plus. Du moins, pas avant une certaine visite que j'ai eu le tort de ne pas prendre tout à fait au sérieux. Et vous ne connaissez pas le plus grave ? Parce qu'il y a plus grave ? Oui. Le chèque est sans provision. Oh, de ce côté-là, ma chère Christine, ne vous tracassez pas. Je ne pense pas qu'il ait l'audace de porter plainte. Ou alors, c'est qu'il serait encore plus fou que je ne le pensais. Il ne portera peut-être pas plainte, seulement que va penser le directeur de ma banque. Je suis très amie avec lui. Il m'accorde toujours un petit découvert, mais pour 20 000 francs, il ne marchera pas. 20 000 anciens francs, oui, mais ces 20 000-là, non. Si le chèque avait été présenté aujourd'hui, le directeur vous aurait téléphoné. Oui, certainement, mais j'étais absente de chez moi toute la journée. Ma chère Christine, dans cette histoire, un point reste obscur pour moi. J'ai dû vous arracher par bribes ce qui s'est passé. Constamment, au cours de votre récit, vous disiez que tout cela vous semblait grotesque, absurde, ridicule. Ça l'était, je vous l'assure. Un tueur à gages, vous rendez-vous compte ? Vous semblez ne plus croire à la réalité de ce personnage. Et pourtant, sur le moment, vous y avez cru. Moi ? Mais jamais, à aucun moment. Alors pourquoi avez-vous payé ? Jean-Marc, nous sommes un peu plus que des relations, et quand nous parlons l'un de l'autre, nous employons le mot « ami ». Mais nous ne sommes pas amis au point de nous faire des confidences. D'autant que je sais que vous êtes un camarade de collège de mon mari. Je connais Boisset depuis toujours, c'est vrai. Est-ce un obstacle pour devenir votre ami ? Oui. Vous êtes surpris ? Non. C'est vous qui avez raison. Seulement, sur un plan professionnel, j'ai besoin de ces confidences. Très hypocritement, je pourrais vous dire de ne plus vous adresser à l'ami de votre mari, mais à l'avocat. C'est impossible. Notre humble savoir-faire n'atteint pas au prestige magique de la médecine. Nous ne pouvons pas nous dédoubler pour jouer les sorciers. Et sans être l'ami à qui l'on fait des confidences, je ne voudrais pas non plus évoquer le secret professionnel. Alors comment faire ? Je ne sais pas. Vous avez payé parce que vous étiez persuadé d'être la victime d'un autre chantage ? Oui. Et d'un autre chantage qui n'était pas celui du tueur à gages intelligent ? Oui.
d'un chantage infiniment plus classique, n'est-ce pas? C'est la première fois que je suis victime d'un chantage et je ne sais pas ce que vous entendez par classique. Des révélations au mari? Il n'en a pas parlé, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment cela, il n'en a pas parlé? Non, il m'a dit simplement qu'on lui avait offert 10 000 francs pour me supprimer et qu'il trouvait que la somme n'était pas assez élevée. Je sais. J'ai reçu sa visite hier après-midi. Je suis sûr à présent qu'il s'agit du même individu. À ce propos, je voulais téléphoner à Boisset. Pourquoi? Hein? Oh, pour rien. Pour rien? Vous n'étiez pas chez vous hier soir et je n'ai pas eu le temps de l'appeler ce matin. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Mais enfin, pourquoi? Oh, c'est sans rapport avec le problème qui nous intéresse. Je voulais simplement lui raconter la visite de ce curieux individu. Jean-Marc, vous me cachez quelque chose. Et vous? C'est vrai. Excusez-moi. J'aime mon mari. Je le sais. Non, vous ne le savez pas. Je veux dire, vous ne savez pas comment je l'aime. Ma morale personnelle n'a rien de conventionnel. Oh, les conventions ne sont que le reflet des mœurs et les mœurs évoluent très rapidement. Il y a des femmes qui s'imaginent avoir été fidèles à leur mari parce qu'elles n'ont jamais eu d'amant. La fidélité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Ce serait peut-être mieux, évidemment, si c'était aussi ça. Mais... Alors, vous avez cru tout naturellement que votre visiteur était venu pour exercer sur vous un chantage que j'ai qualifié tout à l'heure de classique. C'est ça. D'autant que cette mise en scène correspondait assez bien au caractère d'un individu que j'ai connu pendant les vacances à Antibes. Chut. Christine. Chut. Le véritable ami est celui qui ne sollicite pas de confidences inutiles. Merci. Que vais-je devenir avec mon chèque sans provision? Et je vous ai déjà dit de ne pas vous en inquiéter. Notre tueur, qui se croyait très intelligent, a commis une faute énorme. Je dis notre tueur parce que, à moi aussi, il a rendu visite. Et je suis bien placé pour savoir que je ne suis pas le monsieur d'Antibes. Alors nous sommes deux témoins. Qu'il s'agisse d'un fou ou d'un escroc, nous allons le faire arrêter. Mais mon chèque... Mais précisément, grâce à votre chèque, nous irons tous les deux demain matin, dès l'ouverture des guichets de votre banque, faire opposition. Ce chèque vous a été extorqué, je préviendrai le commissaire de police. Commissaire de police, mais... Oh, les policiers savent parfois se montrer discrets. Donc, comprenez-moi bien, tant que j'étais seul à avoir reçu cette visite, que pouvais-je faire? Porter plainte, évidemment, et je me proposais de le faire. Et quel aurait été le sort de ma plainte? Le commissaire est un ami, mais il n'aurait pas mobilisé tous ses hommes pour chercher le tueur. Il aurait pensé, comme je l'ai pensé moi-même, que j'avais reçu la visite d'un fou. Les médecins, les avocats et les ecclésiastiques reçoivent quotidiennement la visite de tels individus. Maintenant qu'il y a ce chèque, tout change. L'affaire prend un aspect différent. Je comprends. Seulement, je veux absolument que mon mari reste en dehors de tout ceci. Enfin, Christine, puisqu'il ne s'agit pas du chantage classique... André ne le croira pas. En ce moment, il est nerveux, irritable, déprimé. Il pose des questions bizarres. Il n'a plus confiance en vous? J'ai peur que non. Et c'est pourquoi j'ai signé ce chèque sans discuter. Dois-je comprendre que vous êtes venu me consulter uniquement parce que vous aviez signé un chèque sans provision? Oui, c'est cela. Et pour être tout à fait franche avec vous, je vous avouerai que j'avais l'intention de vous demander de m'avancer ces 20 000 francs que je vous aurais rendu petit à petit. En attendant les autres chèques. Quels autres chèques? Vous n'avez tout de même pas la naïveté de croire qu'il se serait contenté de cette somme. Il est vraiment venu chez vous hier après-midi? Oui. Tout dans votre description me donne à croire qu'il s'agit du même individu. Mais vous n'avez rien à vous reprocher, vous? Je valais quand même 5 000 francs de mieux que vous. Navré, ma chère amie, mais c'est ainsi. Alors, c'est entendu? Demain 9h, devant la banque. Oui. Vous permettez? Allô? Oui, c'est moi. Ah, comment vas-tu? Bien, je te remercie. Mais quand tu voudras, mon vieux, quand tu voudras. De quoi s'agit-il? C'est grave? Ah oui, tu as raison. Non, je t'attends. Je t'attends. À tout de suite. Au revoir.
Boisset veut me voir de toute urgence. Il saute dans sa voiture, il sera là dans 10 minutes. Jean-Marc, pas un mot surtout. Et le secret professionnel, alors? Qu'est-ce que vous en faites? Demain matin, 9h? Demain matin, 9h, c'est entendu. Quelle drôle d'idée j'ai eue de ne pas passer mes vacances à Antibes l'été dernier. Oh, Jean-Marc. Eh ben, mon vieux, qu'est-ce qui se passe? Tu en fais une tête? Mais y a de quoi. Je te jure, y a de quoi. Tu n'as pas un verre d'eau? Oh, j'ai beaucoup mieux. Un excellent whisky, 12 ans d'âge. Non, le whisky et les tranquillisants ne font pas bon ménage. C'est bien pourquoi je ne prends jamais de tranquillisants. Eh ben, moi, j'en prends. Et pas pour mon plaisir. Si tu n'en retires aucune satisfaction, je ne comprends pas pourquoi tu persistes à enrichir les laboratoires pharmaceutiques. Donne-moi un verre d'eau! Pour avaler tes saloperies? Oui! Jean-Marc, je suis dans une situation épouvantable. Je sais, comme d'habitude. Depuis que je te connais, ça remonte à notre première version latine, tu es toujours dans une situation épouvantable. Tu fais un métier qui te plaît, qui te rapporte pas mal de fric. Tu as épousé la femme que tu voulais épouser et tu continues à gémir. Non, mais c'est dans ton caractère. Mon petit vieux, si tu prenais ma place une seule journée, ici ou dans le parloir de la prison, tu apprendrais ce qu'est vraiment une situation épouvantable. Je ne parle pas de la mienne, naturellement, mais de celle de certains de mes clients. Oh, tes clients, 9 fois sur 10, ils ont fabriqué eux-mêmes les emmerdements dans lesquels ils se débattent. Et parmi eux, il n'y a pas que des victimes d'erreurs judiciaires, tandis que moi... Toi, ça, je me demande pourquoi tu prends des tranquillisants. Ah, tu vas pas en médecin? Apparemment, ils ne produisent aucun effet sur toi. Oui, ben ça va, tu es docteur en droit et pas en médecine. Et c'est bien regrettable. À en juger par ton état, il me semble qu'un toubib te serait plus utile qu'un avocat. Un avocat qui, soit dit en passant, n'a jamais été docteur en droit. Ah, et l'amitié, alors? Pour toi, ça ne compte pas? Oh, si. Autrement, comment expliquer que je t'ai supporté pendant toutes ces années? Revenons à notre sujet. Non, venons-y, tout simplement, puisque nous ne l'avons pas encore abordé. Mais tu es d'un calme. Vraiment, c'est déconcertant. Tu es venu pour me demander des conseils, et d'après ton coup de fil, c'était urgent. Comment veux-tu que je te conseille utilement si moi aussi je perds mon sang-froid? Oui, tu as raison, c'est même agaçant que tu aies aussi souvent raison. Allez, je t'écoute, mon vieux. Eh bien, cet après-midi à l'usine, j'ai reçu une visite. L'homme n'a pas voulu dire son nom à ma secrétaire. À moi non plus, d'ailleurs, un type à peu près de notre âge, et qui m'a tenu un discours tout à fait extravagant, enfin que j'ai trouvé extravagant sur le moment. Après, ça a été différent, et tu vas comprendre pourquoi. Il m'a déclaré exercer la profession de tueur à gages. Ah? Ouais. Tu m'en crois pas? C'est pourtant la vérité, je t'assure. Mais je te crois, je te crois. Poursuis, je t'écoute. Ah, tu as un de ces airs de te foutre de moi? Oh, je t'assure que non. Et toi aussi, tu comprendras plus tard. Continue. Ouais, il me déclare donc qu'il est un tueur. Déclaration qui surprendrait même un type aussi calme que toi. Tu voulais tout à l'heure que je me mette à ta place, eh bien j'aurais bien voulu te voir à la mienne. J'imagine très bien la scène. Non, mon vieux, non. Tu ne peux pas l'imaginer. Il faut être passé par là. L'homme m'a dit qu'il était chargé de m'abattre, moyennant une somme forfaitaire de 20 000 francs. Il estimait cette somme insuffisante, compte tenu de ma situation, et m'a proposé de me laisser la vie sauve si je doublais la mise. Je suis un homme positif et malgré l'extravagance du propos, j'ai voulu mettre mon interlocuteur à l'épreuve en lui demandant qui avait offert cette somme de 20 000 francs. Et il s'est réfugié derrière le secret professionnel. Oui. Comment le sais-tu? Oh, je sais pas mal de choses. Par exemple, qu'il n'a certainement pas manqué de te déclarer qu'il était un tueur intelligent. Oui, c'est exact, mais... Et pendant tout le temps qu'a duré votre entretien, il est resté ganté. C'est un détail qui ne m'avait pas frappé, mais maintenant que tu y fais allusion, je reconnais que c'est exact. En tout cas, moi, j'ai pas pris de gants pour le foutre à la porte. Mais comment sais-tu tout ça? Oh, avec toi, je ne vais pas jouer les extra-lucides. J'ai reçu la visite de cet individu hier après-midi. Moi, ce n'était que 15 000 francs. Et il m'avait dit que tu étais sur sa liste pour un prix plus élevé. Mais tu ne m'as pas prévenu? Mais j'essayais de le faire. Hier soir, tu n'étais pas chez toi et ce matin, avant de partir à l'audience, impossible de te joindre à l'usine. Oui, j'étais chez des clients. J'allais t'appeler quand c'est toi qui m'as téléphoné. Mais tu penses bien que si j'avais pris ces menaces au sérieux, je t'aurais réveillé en pleine nuit. Je voulais en parler avec toi comme d'une plaisanterie au goût douteux.
Et toi aussi, tu as pris ça pour une plaisanterie, puisque tu l'as foutu à la porte et sans prendre de gants. Non, ne t'inquiète pas, demain matin, tout rentrera dans l'ordre. Mais où? Ne me demande pas comment. Même avec toi, je suis tenu au secret professionnel. Je vais passer à la brasserie de l'univers, le commissaire de police doit y être encore. Pour lui, l'apéritif est un rite sacré, et j'ai quelques dispositions à prendre avec lui. Je te recommande la discrétion la plus absolue. Personne ne doit savoir, tu m'as compris? Personne. Ce tueur qui se croyait très intelligent a commis une bourde énorme, et nous allons le coincer. Pour l'envoyer à l'asile psychiatrique, je suppose. Alors, discrétion, discrétion, c'est comme si tu n'avais pas reçu cette visite. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, l'homme tenait des propos tout à fait extravagants. Oui, je t'ai dit également qu'après son départ, j'avais changé d'avis. C'est vrai, tu l'as dit. Oui, et c'est beaucoup plus important que tu ne le crois. Tu n'auras plus envie d'ironiser sur la situation épouvantable dans laquelle je me trouve. C'était pour te détendre les nerfs. Le résultat était satisfaisant, tu t'es exprimé calmement. Eh bien, je vais m'efforcer de conserver ce calme jusqu'au bout, et tu vas voir que ce n'est pas facile. J'étais comme toi. J'étais comme tous les citoyens de notre bonne ville. Pour moi, le tueur était un personnage appartenant au folklore américain. Il exerçait son industrie entre New York, Chicago, Las Vegas et Los Angeles. Et le plus souvent d'ailleurs dans les studios d'Hollywood. Moi, personnellement, je continue à le penser. Je détiens la preuve que l'homme que j'ai reçu cet après-midi, et que tu as reçu toi-même hier, est bien ce qu'il nous a dit. Un tueur. Intelligent ou non, je n'en sais rien, mais un tueur. Tu parles de preuves. Oui. Quel genre de preuves? Il ne faut pas confondre avec une présomption ou une impression. Une preuve matérielle. Je sais par qui il a été payé pour me supprimer. Je croyais qu'il avait refusé de te le dire. Mais il ne me l'a pas dit non plus. Ça s'est passé après son départ. J'ai quitté mon bureau pour donner un certain nombre d'instructions à ma secrétaire, dont celle de conduire les visiteurs de ce genre. Et quand je suis revenu dans mon bureau, mon attention a été attirée par une tache sombre sur le fauteuil où s'était assis le visiteur. C'était coincé entre le dossier et le coussin. C'était ceci. Naturellement, tu l'as pris avec tes mains. Comment veux-tu que je fasse? Mais les empreintes, alors. Un portefeuille en cuir comme celui-ci, c'est une véritable mine pour les empreintes. Mais sur le moment, je n'y ai pas pensé. Regarde à l'intérieur, j'ai tout laissé en place. Pas de papier, naturellement. Quelques billets de 10 francs et... Et ce chèque au porteur d'un montant de 20 000 francs, signé par Christine. As-tu actuellement parmi tes clients quelqu'un qui se trouve dans une situation plus épouvantable que la mienne? Tu avais tort de te moquer des tranquillisants. La chimiothérapie prend sa revanche. As-tu entendu avec quel calme je t'ai annoncé cette catastrophe? Alors, que dis-tu? C'est diabolique. C'est tout ce que tu trouves à dire? Ben, j'ai changé d'avis. Serre-moi un verre de ton whisky. Mais je croyais que... Aucune importance, je n'ai pas l'intention de rentrer chez moi. Le Palace Hotel est à deux pas, j'y coucherai. Je suis incapable d'avoir une explication avec Christine ce soir. Incapable. Incapable. Ce soir et les jours suivants, sans doute. Écoute, mon vieux, m'autorises-tu à parler à Christine? Ah, fais ce que tu veux, je suis venu te demander une consultation. Fais ce que tu veux. Mais précisément, il s'agit d'une consultation et tu as beau être un ami, une consultation est toujours une consultation. Tu vas me réclamer des honoraires? Prends le chèque, il est au porteur. Non, il ne s'agit pas d'honoraires, mais des règles très strictes de notre profession. Je ne vais parler à Christine que si tu m'autorises formellement à faire état de ce que tu viens de me dire. Si ta démarche doit rester secrète, je ne peux pas m'en sortir. Je suis dans une impasse. Et comme ça, vous aurez tout le temps, tous les deux, de mitonner une bonne petite histoire. Boisset, si tu n'as pas confiance en moi, va consulter un autre avocat. Je suis dans une situation impossible. Et tu le comprendras plus tard, mais seulement une fois que j'aurai vu Christine. Et je ne peux voir Christine utilement que si tu m'autorises à lui rapporter notre conversation. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais ne te fâche pas. Fais comme tu voudras, c'est clair, non? Moi, je suis tellement abasourdi que je suis incapable de raisonner. On dit toujours que les maris sont les derniers informés. C'est sans doute vrai. Et toi, tu n'as pas eu l'air particulièrement étonné de voir ce chèque? Ah, si. Si. Et beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer.
Qui est là? C'est moi, Poisset. Ouvre! Ouvre vite! Eh ben, mon vieux, mais qu'est-ce qui te prend de me réveiller en pleine nuit? Tu pouvais pas me téléphoner? Non. Oh! Bon, ben, entre maintenant que tu es là. Nous n'allons pas discuter dans le couloir. Avant toute chose, donne-moi un whisky. Un grand. J'ai laissé ma voiture en bas et la police peut être là d'une minute à l'autre. Tiens, mon vieux, sers-toi. Oh, hein, tu veux que j'aille te chercher de la glace? Non, inutile, je n'ai pas le temps. Il faut que je te parle avant qu'ils arrivent. Tu ne m'accompagnes pas? Ah, moi, tu sais, le whisky au saut du lit à 3 heures du matin, c'est pas mon genre. Jean-Marc, tu as devant toi un meurtrier. Qu'est-ce que tu dis? Oui, un meurtrier. Je viens de tuer. Oui, avec ça. Tiens, un seul coup de feu. Je ne me croyais pas aussi bon tireur. Mais, et sur qui as-tu tiré? Sur... Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Non, j'ai tiré sur un inconnu. J'ai eu le temps de voir son visage. Il est mort dans mes bras, sur le trottoir. J'ai bien vu son visage. Et je te jure que je ne le connais pas. Non, ne nous énervons pas et examinons calmement la situation. Mais je suis très calme, Jean-Marc. Il m'est arrivé ces jours derniers d'être extrêmement nerveux, je le reconnais. Et je l'étais encore tout à l'heure, juste avant de tirer. Sinon, je n'aurais pas tiré. Mais maintenant que la catastrophe est là, je suis calme. Soit. Alors mets un peu de logique dans ton récit et commence par le commencement. Je viens de me réveiller, moi. Oui. Quand je te disais qu'il continuait à me menacer, tu ne voulais pas me croire. Tu me disais que tout était arrangé, que la police faisait le nécessaire. Non, écoute, je t'en prie, je t'ai demandé de commencer par le commencement. Mais le commencement, c'est ça. Tous ces jours, toutes ces semaines que j'ai vécu dans la peur et dans l'angoisse, dans la terreur à certains moments, eh ben, il était là. Il me guettait. J'en étais sûr. Tu viens de reconnaître toi-même que tu étais dans un état de nerfs épouvantable. C'est vrai, mais tout de même pas au point d'avoir des hallucinations. Et pourtant, c'est bien ce qui s'est passé à l'instant. Je devais rester couché à Paris et reprendre la route demain matin pour être à l'usine dans l'après-midi. Et un coup de fil m'apprenait que l'heure de la réunion avait été modifiée. Elle aurait lieu le matin, tôt. Alors, aussitôt après le théâtre, j'ai sauté dans ma voiture, j'ai foncé. Arrivé dans chez moi, je suis descendu pour ouvrir la porte du garage, et alors je l'ai vu, qui s'avançait vers moi, de sa démarche souple. J'ai pris mon revolver, j'ai tiré. Je pensais qu'il valait mieux que je tire le premier. Ah, il s'est effondré, la tête sur le rebord du trottoir, son chapeau a roulé. J'ai vu ses cheveux, une masse de cheveux blonds. Ça ne pouvait pas être lui. Je me suis approché. Il avait les yeux ouverts. Un filet de sang à la commissure des lèvres. Il ne respirait plus. Il était mort. Voilà, mon vieux. Et Christine? Christine n'était pas avec moi, elle est restée couchée à Paris. Elle prendra le train de demain, enfin de ce soir. Tu vas immédiatement décrocher ce téléphone et appeler le commissariat de police pour qu'ils envoient une ambulance là-bas. N'entre pas dans les détails sur l'origine du coup de feu, mais dis-leur qui tu es. C'est fait, Jean-Marc, c'est fait. J'ai téléphoné avant de venir chez toi. Excellent réflexe. Mais je suis un honnête homme, Jean-Marc. En pareilles circonstances, quantité d'honnêtes gens perdent leur calme. Non, tu as eu un excellent réflexe. C'est un bon point pour notre défense. À mon avis, il est mort, mais la médecine fait parfois des miracles. Tu ne leur as pas dit que c'était toi qui... Non, je voulais te voir avant d'aller me constituer prisonnier. Toi seul es capable de comprendre ce qui s'est passé. L'important maintenant, c'est que je le fasse comprendre aux autres. Oui. Je croyais que le whisky au réveil n'était pas dans tes habitudes. Ah, je ne me réveille pas tous les matins en apprenant qu'un de mes meilleurs copains s'est fourré dans un guépier pareil. La mort d'un homme, ça compte. Oui. Enfin, peux-tu m'expliquer comment tu es parvenu à cet état de véritable panique? Allez, viens avec moi à la cuisine, je vais nous faire du café, c'est préférable au whisky. Pourquoi cette peur, cette angoisse? Tout était devenu clair après notre explication avec Christine. Si quelqu'un avait juré de me faire devenir fou,
Il y est parvenu. Mais si tu en avais conscience, pourquoi t'es-tu laissé manœuvrer? Et au cours des visites que tu me rendras au parloir de la prison, nous aurons tout le temps de nous expliquer. Bien avant tous ces événements, je n'étais plus moi-même. Je me posais trop de questions. Et j'en posais trop à Christine, paraît-il. Les grands mots, les grandes phrases font rire. Alors on se trouve tout con quand il s'agit d'exprimer certains sentiments. Gagner de l'argent, le dépenser, le boulot, les vacances. Et le cimetière au bout. Ce n'est pas une vie, ça. Et selon toi, qu'est-ce qui serait une vie? Si je l'avais su, j'aurais tout plaqué pour la vivre immédiatement. Tout plaqué d'un seul coup. Même s'il avait fallu partir sans Christine? Oui, sans aucune hésitation. Et je crois que tu es encore plus gravement malade que tu ne le penses. Tu n'as jamais été convaincu par les explications que nous t'avons données. Avoue tout de même que ce tueur présentait bien... Et qu'une femme pouvait s'y laisser prendre. Christine a craint pour sa vie. Elle a payé, c'est tout. Il n'y a jamais rien eu d'autre. Rien. Absolument rien. Il est grotesque que tu aies pu croire un seul instant Christine capable de signer un chèque pour se débarrasser de toi. Mais je sais, je sais. Quand j'ai découvert ce chèque dans le portefeuille oublié, je me répétais, c'est pas possible. Et puis, mon naturel pessimiste, reprenant le dessus, j'ai pensé qu'à l'annonce de toutes les nouvelles les plus affreuses, accidents, morts, catastrophes, c'était précisément la phrase qu'on prononçait, c'est pas possible. Et pourtant, c'était possible, puisque cela était. Alors. Quand tu es venu me voir, je ne pouvais pas te parler de la visite de Christine sans qu'elle m'y autorise. Oui, je sais. Sans pour autant être banal, l'affaire n'avait plus rien de mystérieux. Nous avions été tous trois choisis par un maître chanteur d'un genre un peu particulier. Mais pourquoi, justement, nous trois? Mais je n'en sais rien. Grâce à nos trois témoignages, la police a pu établir un portrait robot de celui que nous sommes bien obligés d'appeler le tueur. Mais les recherches n'ont rien donné. Bon, elles auraient abouti un jour ou l'autre. Mais c'est ça, après mon assassinat. Il fallait qu'il y eût au moins un mort pour que la police prenne cette affaire au sérieux. Le commissaire est un ami et je t'assure qu'il a fait tout ce qu'il a pu. Seulement, le temps passant, il ne pouvait plus nous faire protéger constamment tous les trois. Mais Christine et toi, vous n'aviez plus besoin d'être protégés, vous n'aviez plus de ses nouvelles. Seulement moi, je le voyais tous les jours, ou presque. J'avais beau changer de route pour me rendre à l'usine, il s'arrangeait toujours pour me doubler et m'adresser un signe ironique. D'autres fois, il laissait des messages à ma secrétaire. Tiens, je sais pas comment il a su que je m'absentais. Il a eu le culot de se rendre à l'usine quand je n'étais pas là pour demander à ma secrétaire si, par hasard, on n'avait pas retrouvé un portefeuille lui appartenant. Tu as raconté ça au commissaire? Et oui, naturellement. Seulement, comme tu dis, le temps passait. Sa première visite remonte à un mois et demi. Alors, comme j'étais le seul à prétendre l'avoir revu, mon témoignage n'avait plus autant de force. Tiens, bois ton café. Le commissaire connaît son métier. Hein? L'autre aussi, crois-moi. Ils n'ont jamais pu lui mettre la main dessus. Hein, il y a 15 jours, au restaurant, il entre derrière moi. Le temps que je téléphone à la police, il avait disparu. Pas un jour, depuis un mois et demi, où il ne s'est manifesté à moi d'une manière ou d'une autre. Les messages téléphoniques à ma secrétaire, dites bien, monsieur Boisset, que j'ai tout mon temps. Je ne sais pas pour le compte de qui il agit, mais... C'est du travail bien fait. Ah, pas tellement, puisque tu es encore en vie. Bois ton café. Oui. Mais pourquoi n'as-tu jamais essayé d'entrer en contact avec Christine ou avec toi? Es-tu bien certain de l'avoir vue aussi souvent que tu le crois? Ah, toi aussi tu vas parler d'hallucination. Comme le commissaire. La fragilité des témoignages humains. Hallucination. Et les messages à la secrétaire. Hallucination, peut-être. Non, mon petit vieux. Mais l'homme étendu sur le trottoir devant ton garage... Oui, tu as raison. Je ne sais plus. Bois ton café. Je vais m'habiller pour t'accompagner. Faut pas trop tarder à aller au commissariat. Jean-Marc? Oui? Oh, je sais bien que nous aurons tout le temps d'en parler, mais... Pour ma défense, plus tard, je ne voudrais pas que tu insistes trop sur le côté folie passagère. Je préfère encore les conversations des gardiens de prison à celles des psychiatres. C'est certainement infiniment moins déprimant. Bois ton café. Mmh.
Mais que faites-vous là? Je vous attends. Ça ne se voit pas. Vous vous introduisez chez moi et de nuit. Circonstance aggravante, je sais. Est-ce que c'est ma faute si vous rentrez si tard? Que voulez-vous? Vous vous souvenez de notre première entrevue? Oui. Parfaitement. Alors, pourquoi cet étonnement? Je vous avais dit que je reviendrais. Je suis revenu. Pour me dire quoi? Eh bien, tout d'abord, pour vous féliciter pour votre éloquence. Vous avez été très bien. J'ai même craint l'acquittement. Il s'en est fallu de peu. Seulement, heureusement, le procureur s'est montré très habile en ne requérant pas contre votre ami Boisset en particulier, mais contre la violence en général. Un très beau thème, la violence, croyez-moi. Et pour reprendre l'une des formules les plus originales du procureur, pour endiguer cette vague de violence, il faut un exemple. Un exemple que votre ami Boisset a payé de 5 années de prison en dépit de votre admirable plaidoirie. Je n'ai que faire de vos appréciations, venons-en en fait. Mon Dieu, comme vous êtes pressé, est-ce que je le suis, moi? Que voulez-vous? Vous rafraîchir la mémoire. C'est-à-dire? C'est ici même, il y a plusieurs mois maintenant, que je vous ai prié de me laisser consulter l'annuaire téléphonique. Ne vous ai-je pas dit alors que votre ami Boisset était sur ma liste? Et qu'il vous fournirait tout à fait involontairement la preuve que j'étais bien celui que je prétendais être? Ne vous avais-je pas dit cela? Oui, vous l'avez dit. Seulement... Seulement? Vous n'avez pas tué Boisset. Ah non? Vous trouvez? Pourtant, Boisset est un homme mort. Pour un type comme lui, 50 prisons, même s'il n'en fait que la moitié pour bonne conduite, c'est la mort. La mort par scandale. Je serais curieux de connaître la liste complète des nombreuses sociétés qui se disputeront l'honneur de lui confier la direction de leurs entreprises après cette petite aventure pénitentiaire. Non, croyez-moi. Je vous parle par expérience. Boisset est bien mort. Et j'ai mis à exécution la menace que j'évoquais lors de ma précédente visite. Fini, Boisset. Il est mort. Il est mort pour le monde qui était le sien. Boisset a des amis sûrs et fidèles. Nous les compterons le jour de sa sortie de prison. N'allez pas me faire croire que c'est vous qui avez tout organisé. C'est pourtant ce dont vous avez tenté de convaincre les jurés, n'est-ce pas? Tâche redoutable. Comment faire admettre la réalité de ce tueur fantôme qui n'a été vu que par 2 personnes seulement, et 2 personnes éminemment suspectes, l'épouse et l'avocat de l'accusé? Pour moi qui suis bien obligé de croire à votre existence, je continue à douter que vous ayez pu mettre au point une telle machination. Vous ne pouviez pas savoir que Boisset rentrerait cette nuit-là, ni que ce malheureux passant, qui ne vous ressemblait même pas, se trouverait sur son chemin. C'est évident. Alors ? Je ne me suis jamais flatté non plus de savoir comment les choses allaient se passer dans le détail. J'ai harcelé Boisset, je l'ai persécuté, je ne l'ai pas laissé un seul jour en repos. Ce que je savais avec certitude, compte tenu de son état de nerfs, c'était qu'il ne manquerait pas de faire une bêtise. Laquelle? Encore une fois, je n'en savais rien. Longtemps, j'ai cru que le chèque que j'avais soigneusement oublié dans son bureau allait servir de détonateur. Je me suis trompé, je l'avoue. Mais je ne me suis pas trompé sur la certitude que j'avais qu'il allait commettre quelque chose d'irréparable. C'était inéluctable. Souvenez-vous de ma première visite. N'avais-je pas parlé d'accident? Exact, oui. Mais je ne pensais pas à un accident de ce genre. Moi non plus, je vous le concède. Mais cet accident a-t-il réellement eu lieu, oui ou non? Ce qui signifie? Ce qui signifie qu'il faudrait considérer avec toute l'attention qu'elle mérite la petite conversation que nous avons eue ensemble, ici même, il y a quelques mois. Maintenant, je vous ai fourni, je pense, la preuve de mon savoir-faire professionnel. Vous... Vous... Je vous écoute. Vous maintenez les chiffres que vous aviez avancés l'autre jour? Alors ça, c'est admirable. C'est tout à fait admirable. Et je ne regrette pas tous les risques que j'ai pris ce soir pour venir vous rendre visite. Je ne comprends pas ce que c'est admirable, vous dis-je. Il n'y a pas 5 minutes, vous me parliez des nombreux amis qui attendraient Boisset à sa sortie de prison.
Et vous, qui vous vantez d'être son meilleur ami, vous le laissez déjà tomber. Plus question de Boisset. Vous vous foutez de lui à présent. Vous pensez peut-être même qu'il est bien tranquille au fond de sa cellule. Tandis que vous, bien sûr, c'est de votre peau qu'il s'agit. Alors, hein, Boisset. La dernière fois, vous aviez parlé d'un marché. La dernière fois, je vous ai menti sur un point. Ça, je m'en doutais. Entre-temps, vous avez réfléchi. Vous avez eu des frais. Et la somme que vous exigez est plus importante, c'est bien cela. Même en pleine crise de trouille, vous n'oubliez pas le pognon. Il semblerait que vous-même, vous ne soyez pas totalement désintéressé. C'est justement ce qui vous trompe. Je vous ai menti sur un point. Pas quand je vous ai déclaré que j'étais un tueur intelligent. Les événements ont démontré que je le suis. Pourquoi courir des risques inutiles et faire dangereusement soi-même ce que d'autres font parfaitement à votre place? Non, le point sur lequel je vous ai menti, c'est à propos de mes employeurs. Vous avez refusé de me révéler leur nom. Oui, ils n'existent pas. Comme beaucoup de gens intelligents, je me suis mis à mon compte. Dans toute cette affaire, je n'ai jamais eu qu'un seul employeur. Moi. Dans cette hypothèse, quel intérêt aviez-vous à ruiner la carrière de Boisset? Un intérêt évident. Me faire prendre au sérieux par vous, qui ne m'avez jamais pris tout à fait au sérieux. Mais à voir votre tête, je constate que ça commence. C'est monstrueux. Non. C'est intelligent. Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Le revolver que j'ai dans ma poche. Si vous tirez, vous ne toucherez pas un centime. On ne tue pas que pour de l'argent. Quand on en fait son métier, si. Et les sentiments, alors? La haine. Ça n'existe pas, la haine? Même chez un homme de métier? Vous me haïssez? Oui. Profondément. Mais nous ne nous connaissons pas. Si. Il y a 26 ans. J'avais 13 ans. Boisset aussi avait 13 ans. Et moi, j'en avais 10. À cet âge-là, au collège, la différence est énorme. Vous étiez dans les grands, moi, chez les petits. Vous n'allez pas me dire que c'est pour une histoire de collège. Que votre ami Boisset est en prison et que vous, vous êtes vert de peur, non? Ce n'est pas une histoire de collège, c'est une histoire du temps du collège. Boisset avait un père, il a d'ailleurs toujours un père, il vit encore, je me suis renseigné. Un père qui était un homme honorable, comme on dit. Il a fait condamner le mien. La condamnation définitive, l'assassinat légal. Et moi j'avais 10 ans, et j'ai dû quitter la ville avec ma mère. La ville ne voulait plus de nous. La ville ne voulait plus de la femme et du fils de l'abominable, de l'ignoble. Pendant 10 ans, ma mère s'est battue. À force de courage et de ténacité, sans argent, elle a obtenu enfin la réhabilitation de mon père mort, pour l'exemple. La justice a reconnu son erreur. On lui a versé la pension de veuve de fonctionnaire à laquelle elle avait droit, à présent. Cette pension qui nous avait tant manqué pendant ces 10 années où elle m'avait élevé comme elle avait pu. Et c'est vous, les Robineau, les Boisset, tous les honorables citoyens de cette puante ville qui avait fait de moi ce que je suis. Un tueur. Je suis un affreux. Un affreux. Et je vous assure, il n'y a pas de chômage dans la profession. Quelques mois après avoir obtenu justice, ma mère est morte, comme si la tâche qu'elle s'était fixée étant accomplie. Elle n'avait plus rien à faire sur cette terre, puisqu'elle n'avait pas pu m'élever. Et moi, j'ai continué mon métier de tueur. Le seul métier que je savais faire et que je vais continuer à faire. Tu commences à comprendre, l'avocat? En faisant condamner injustement mon père, c'est ma mère et moi que le père Boisset, principal témoin à charge, a condamné, il y a 26 ans, pour d'obscurs mobiles. Il a préféré l'injustice à la justice. Il fallait que l'injustice lui fût rendue à son tour. À travers le fils, c'est le père que j'espère tuer, mais sans me salir les mains. Tueur intelligent. Tu piges? Oui. Enfin, en ce qui me concerne... Ne tremble pas, l'avocat. Et ne t'offusque pas si je te tutoie. Après tout, nous sommes des camarades de collège, non? Je ne vais pas te descendre bêtement dans ton bureau.
Toi, tu seras mon témoin. Dès le début, je t'ai choisi pour tenir ce rôle. Jusqu'à présent, tu l'as fort bien tenu. Eh bien, tu vas continuer. Cette histoire, tu vas la raconter aux intéressés, aux jeunes et aux vieux. Et pas aux flics. J'ai compris. Mais n'oublie pas de leur raconter. Je veux qu'ils sachent. Et qu'ils sachent bien. Je t'ai montré ce que je savais faire, alors méfie-toi. Je ne te fais grâce de la vie qu'à cette seule condition. Et si par le plus grand des hasards, un individu se présente dans ton bureau en déclarant qu'il est un tueur intelligent, ne souris pas d'un air fat comme tu l'as fait la première fois. Car de deux choses l'une, ou le tueur est vraiment intelligent et c'est toi qui as l'air d'un imbécile, ou le tueur n'est pas intelligent, alors il se vexe et il te descend bêtement. Salut, l'avocat. Pierre Billard vous a présenté ce soir L'Affreux, un film radiophonique de Louis Rognoni avec Corinne Marchand, Jean Topard, Pierre Michael et Dominique Paturel. Prise de son, Pierre Carn. Collaboration technique, Marie-Françoise Simon. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard. C'est Jack Carter qui vous parle. C'était au mois de juin 1911, par un été torride. Sur la demande du gouvernement de Washington, mon oncle Nick Carter était à San Francisco en mission spéciale. Je l'accompagnais, ainsi que bien entendu sa chère et tendre Rita. Ce matin-là, le paquebot California revenait de Chine. Il entrait lentement dans le port de San Francisco. Dans une cabine de luxe, une dame était étendue sur sa couchette et gémissait, sous le regard inquiet d'une jeune chinoise et du docteur Reading, médecin du bord. Allô, docteur. Ça lui a pris ce matin au réveil? Oui. L'appendice n'a aucune réaction douloureuse. Le foie n'est pas sensible. Il faudrait procéder à un examen complet et pour l'instant, il n'en est pas question puisque nous accostons dans 5 minutes. Oh, Taounan, que vais-je devenir? Je suis là, Miss Victoria. Vous savez bien que nous ne vous laissons pas. Le docteur veut absolument connaître la raison de votre malaise, n'est-ce pas, docteur? Je n'ai jamais abandonné une malade, mademoiselle. Sitôt que nous aurons accosté, je téléphonerai à un hôpital et je vous ferai transporter pour qu'on procède à tous les examens nécessaires. Merci, docteur. Une de mes amies qui est infirmière m'a parlé de l'hôpital San Pedro. Il paraît que c'est le meilleur. Eh bien, nous vous mettrons à l'hôpital San Pedro. Vous voyez, vous n'avez qu'à demander. Ma pauvre petite Taounan, qu'est-ce que votre papa va dire quand il apprendra ce qui m'arrive? Pour l'instant, il me semble absolument pas urgent de le prévenir. C'est que Taounan n'a pas encore 20 ans, docteur. Et s'il faut que je la laisse toute seule dans ces grandes villes. Monsieur Tien Chang m'a confié sa fille. Je suis la gouvernante de cette petite depuis bientôt 6 ans. Et s'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, j'en mourrais. Oh, allons, Miss Victoria. Je ne suis plus une petite fille. Et ce n'est pas la première fois que nous venons aux États-Unis. Je parle l'américain aussi bien que le chinois. Je me débrouillerai très bien, vous savez. Ce n'est pas ce que je crains. Alors quoi? Pauvre innocent. Avez-vous retenu une chambre dans un hôtel? Oui, le secrétaire de papa a télégraphié il y a 15 jours. Nous avons une chambre à l'ambassade, 2 lits et une salle de bain. Eh bien, c'est parfait. Mademoiselle Taounan va s'y installer, elle ira vous voir tous les jours à l'hôpital, Miss Victoria. Et sitôt guérie, vous la rejoindrez à l'ambassade. Qu'est-ce qu'elle va faire toute la journée? Vous n'avez pas d'amis? Pas à San Francisco. Si vous voulez, ma femme s'occupera de mademoiselle pour qu'elle ne se sente pas trop seule. Oh oui, je vous remercie, docteur. Oh, quelle complication je vous cause. Oh, et puis j'y pense. Mes bagages. Évidemment. Vous n'allez pas pouvoir tout emporter à l'hôpital. Le mieux serait de conserver avec vous une petite valise et que le reste aille tout droit à l'hôtel. J'ai mon nécessaire de toilette, cette grande valise et une malle. Eh bien, mademoiselle s'occupera de la valise et de la malle. Seulement, il faudra lui confier vos clés pour la visite de la douane. Elles sont dans mon sac. Taounan, ma chérie, si vous voulez les prendre. Ce sont celles-ci? Oui, je vous les confie. Ne vous inquiétez pas. Ah, voilà où nous accostons.
Sitôt arrêté, on branche la ligne téléphonique. Je vais appeler l'hôpital. À tout de suite, Miss Victoria. Surtout, ne vous faites pas de soucis. Tout ira bien. Je vous reconduis, docteur. Franchement, docteur, quelle est votre impression? Je ne peux rien dire tant qu'on ne l'aura pas mise en observation. Quel âge a-t-elle? 40 ans. Elle est anglaise? Irlandaise. Restez avec elle. Je reviens dans 10 minutes. Pardon. Pardon. Les lignes sont branchées avec la ville? Oui, docteur. Demandez-moi l'hôpital San Pedro. Allô? Allô? Allô, ici le paquebot California. Je voudrais l'hôpital San Pedro, s'il vous plaît. Merci. Allô? Allô, San Pedro? Ne quittez pas, on vous parle. Ici le docteur Reading, médecin-chef du California. J'ai une malade à hospitaliser d'urgence. Pouvez-vous me la prendre? Bon. Vous m'envoyez une ambulance? Merci. Passez-moi le service médical du bord. Allô, le service médical? Je vous passe le docteur Reading. Allô, deux infirmiers avec un brancard et des couvertures à la cabine numéro 7. Descendez la malade à quai. Une ambulance vient la prendre tout de suite. Ah, voilà votre ambulance, Miss Victoria. Vous voyez, ça n'a pas été long. Hôpital San Pedro. On vient chercher la malade. Bien, je suis le médecin du mort, je l'accompagne. Ok. Bonjour, madame. Eh ben, dites donc, voilà une drôle de fin de voyage. Allez, Brown. Oui, soulève doucement le brancard. Voilà. Comme ça. Docteur, vous pouvez monter à côté d'elle. Au revoir, Miss Victoria. Je téléphonerai ce soir à l'hôpital pour avoir de vos nouvelles. Et j'irai vous voir dès demain. Au revoir, ma chérie. Quand je pense que je vous laisse là, surtout ne vous laissez aborder par personne. Non, non, soyez tranquille. Au revoir. Allez, en route. Hep, Stuart, où sont mes bagages? Votre porteur est là, mademoiselle. Vous n'avez qu'à le suivre jusqu'à la douane. C'est la première salle à droite. Merci. Ah, mademoiselle, je vais vous chercher partout. C'est bien à vous, ces bagages? Oui. Oh, alors je les pose ici. Le douanier va venir. Et après, vous voudrez un taxi? Oui, s'il vous plaît. Rien à déclarer? Non. Au suivant. C'est à vous tout ça, mademoiselle? Oui, monsieur. Vous n'avez rien à déclarer? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Des vêtements et des objets de toilette. Voulez-vous ouvrir, s'il vous plaît? Voilà. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est que tous ces bibelots-là? Des petites choses que j'apporte à des amis. Et il faut les déclarer? Ça n'a pas de valeur. J'ai les factures, si vous voulez voir. Non, ça va. Et dans cette malle? Des vêtements. Vous voulez ouvrir? Voilà. Ah, des robes chinoises, des soies brodées. C'est pour vendre? Vous voyez bien que je les ai déjà portées. Ah bon, ça va. Une seconde. Oui. Jack, qu'est-ce que tu penses de cette malle? Moi? Bon, rien. Oui. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être l'examiner de plus près. Vous croyez, M. Carter? Oui, je crois. Voulez-vous venir par ici, mademoiselle? Où ça? Dans le bureau, là-bas. Nous serons plus tranquilles. Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, peut-être rien du tout, mais venez tout de même. Tenez, mademoiselle, passez sous le comptoir, là. Pourquoi emportez-vous cette malle? Par curiosité. Je ne comprends pas. Ça ne fait rien. Si vous voulez entrer dans le bureau. Entrez, mademoiselle. Pardon. Voyons, messieurs, votre avis sur cette malle? Bon, c'est une malle comme les autres. Ah, cette réponse m'étonne de toi, Jack. Extérieurement, elle est rectangulaire et à angle vif, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, regardez l'intérieur. Rien ne vous frappe. Ah si, si les angles sont arrondis. Ah, eh oui. Pour ménager avec les angles vifs, un vide dans chaque coin. Tenez. Vous entendez?
Bah, ça sonne le plein. Oui, mais parce que les quatre creux ont été remplis. Enfin, du moins, je le suppose. Mais avec quoi? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Douanier, prenez un ciseau à froid et un marteau. Et ventrez-moi ces quatre coins. Mais vous allez abîmer cette malle. J'en suis navré, mademoiselle. Je me plaindrai. Eh bien, si je me trompe, je vous en offrirai une toute neuve. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Non, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Oh, regardez, monsieur Carter. Des petits paquets entourés de papier d'argent. Donnez-moi ça. Bloc rougeâtre. Odeur caractéristique. C'est de l'opium. Ainsi, mademoiselle, vous faites le trafic d'opium. Moi? Mais je vous jure... Oui, douanier, continuez à ouvrir les quatre coins, voulez-vous? Oui, oui. Mais je ne comprends rien. C'est épouvantable. Oui, oui. Mais il y en a là aussi, monsieur Carter. Si les quatre coins ont été remplis, il y en a bien 25 kilos. Eh ben, ça représente environ 100 000 $. C'est pas mal. Monsieur, je ne comprends rien. Vous parlez d'opium. Ça, c'est de l'opium? Écoutez, il ne faudrait pas en plus vous payer notre tête. Hein? Mais cette malle n'est pas à moi. Regardez le nom qui est inscrit dessus. Oui. Miss Victoria Chanel, Shanghai. Qui est cette personne? C'est Maguana. Elle ne s'occupe pas d'opium, voyons. Ça n'est pas possible. Je ne croirai jamais. Elle est victime, comme moi. Vous essayez d'entrer aux États-Unis une cablotte pareille et vous avez le culot de jouer les Saint-Nito? Une seconde, voyez-vous. Voyons, mademoiselle, dites-moi tout ce que vous savez. Allez-y, je vous écoute. Monsieur, ma bonne foi est entière. Je suis la fille de Monsieur Tian Chang de Shanghai. Oui. Mon père est un des plus beaux importateurs de matériel industriel. Voici mon passeport. Je viens passer mes vacances aux États-Unis. Ma gouvernante m'accompagnait. Mais avant de débarquer, elle s'est trouvée malade, au point que le médecin de bord, le docteur Reading, vient de l'emmener lui-même à l'hôpital. Elle m'a demandé de m'occuper de ses bagages, c'est pourquoi je les présente à la douane. Mais Miss Victoria cherchait à me faire passer de l'opium en contrebande, je vous assure que c'est risible. Si vous la connaissiez... Ah, moi, je veux bien vous croire, mais ce que vous me dites là exige des vérifications. Je suis obligé de vous emmener au dépôt jusqu'à ce que cette affaire soit éclaircie. Au dépôt? Qu'est-ce que c'est? La prison, ma chère enfant. La prison. Mais je suis innocent. Je ne veux pas aller en prison. Alors là, on se passera de votre avis. Oh non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Oh. Ah, allons, bon, la voilà dans les pommes. Moi, c'est de la comédie. Non, je ne crois pas. Jack, ouvre la fenêtre. Oui. Douanier, avez-vous des selles? Oui, dans le bureau à côté. Bon, apportez-les-moi, vite. Attends, je lui dégrafe sa tunique. Jack, ôte-lui ses gants et tape-lui dans les mains, veux-tu? Bien entendu. Oh, Onyx, regarde! Sa main gauche, le troisième doigt. Il lui manque la première phalange. Voilà les selles, monsieur Carter. Oui. Ah, allons, mignonne. Respirez-moi ça. Ah, ça va aller. Tu as vu, Jack? Au fond de la bouche, à droite. Elle a une molaire en or. Ah. Oh, oh, alors vous, monsieur Carter, rien ne vous échappe. Ah, elle pleure, tout va bien. Bon alors, vous vous sentez mieux? Oui. Bon, maintenant vous allez être raisonnable. Hein? Je vais faire tout ce que je pourrai pour vous tirer de là, mais comprenez que pour le moment, aux yeux des autorités, vous avez essayé de passer de l'opium en contrebande. Alors on va vous garder au dépôt le temps d'une première enquête, qui va durer un ou deux jours. Et votre sort en dépend. À quel hôpital votre gouvernante a-t-elle été emmenée? San Pedro. Oui. Vous m'avez dit que le médecin du bord s'appelait... Docteur Reading. Reading. Et quelle est l'adresse de votre père? Monsieur Tian Chang, 43 Pacific Street à Shanghai. Street, Shanghai. Merci. La jeune chinoise fut emmenée au dépôt et Nick Carter se rendit sans plus tarder à l'hôpital San Pedro, où il fut reçu par le directeur. Miss Victoria Chanel? Oui. J'ai beau consulter mes fiches, nous n'avons pas cette personne parmi nos malades. Pourtant, elle vous aurait été amenée par le docteur Reading, médecin-chef du paquebot californien. Docteur Reading? Oui. Ah, oh, lui, oui, nous l'avons hospitalisé. Comment? Et deux policemen l'ont trouvé dans un dock en bien piteux état. Il a dû être victime d'une agression. D'une agression? Puis-je le voir? Il y a 10 minutes, on essayait encore de le ranimer. Allez, venez, nous l'avons mis dans une chambre particulière. Alors, mademoiselle? Le malade vient de reprendre connaissance, monsieur le directeur. Ecchymose au crâne et à la nuque.
Le docteur Jones estime que ce sera sans conséquence. Mais veuillez nous laisser. Docteur Reading? Oui. Je suis Nick Carter. Oh, monsieur Carter. J'aurais préféré faire votre connaissance dans d'autres circonstances. Oui, bien sûr. Vous tombez bien. Oui, j'en ai l'impression. Dites-moi, avez-vous la force de répondre à mes questions? Oh, oui, j'espère. Bon, je suis au courant du début de cette histoire. Donc, vous avez emmené une certaine Miss Victoria en ambulance. Oui, oui, oui. Oui, j'ai été étonné que la voiture ne prenne pas la direction de l'hôpital, tout d'abord. Elle a tourné 3 ou 4 fois autour de la douane. Alors j'ai demandé au chauffeur pourquoi il n'allait pas directement à l'hôpital. Il avait l'air de guetter quelque chose. Oui, oui. Tout à coup, un individu qui observait par une fenêtre ce qui se passait à l'intérieur de la douane lui a fait un signe. Alors le chauffeur a sifflé légèrement et pendant qu'il prenait une direction inconnue, j'ai eu juste le temps de voir Miss Victoria sauter au bas de son brancard. Elle m'a saigné un coup sur la tête, peut-être d'autres ensuite. Je ne me souviens plus de rien. Dites-moi, docteur, l'ambulance qui était partie pour le port, est-elle rentrée? Non, non, on l'a trouvée abandonnée loin de l'endroit où gisait le docteur Reading. Oui, bien sûr. Et les deux infirmiers? Disparus. Il y a longtemps qu'ils travaillaient à l'hôpital? Non, 1 ou 2 jours. Oui, oui. Il me semble facile de reconstituer ce qui s'est passé. Vos 2 infirmiers et la gouvernante font partie d'une bande. Ils ont spéculé sur l'innocence de la petite chinoise et essayé de lui faire passer de l'opium. Ils ont tourné autour de la douane jusqu'à ce qu'un complice leur indique la tournure des événements. Alors, de 2 choses l'une. Le coup réussissait, la gouvernante allait à l'hôpital, on ne lui trouve aucune maladie, et demain ou après-demain, elle rejoignait son élève à l'ambassadeur. Ou alors le coup ratait, et il prenait la fuite après avoir assommé le docteur. Ce qu'ils ont fait. Mais voudriez-vous, docteur, me donner le signalement de la gouvernante? Grande, maigre, blonde, des yeux gris extrêmement froids, et une légère cicatrice au-dessus de l'œil gauche. Oui, parfait, sur elle et les 2 infirmiers, nous sommes désormais fixés. Reste à savoir si la petite est complice ou non. Jack, tu vas envoyer tout de suite un télégramme à mon ami, le lieutenant de police Wang Min. H-U-A-N-G-M-I-N, à la police centrale de Shanghai. Qu'il nous télégraphie au plus vite tous les renseignements utiles sur l'importateur Tian Chang, 43 Pacific Street, ainsi que sur sa fille Tao Nan et la gouvernante Victoria Chanel. 10 jours plus tard, à midi, Ida et moi nous attendions Nick Carter dans le hall de l'ambassadeur. Il n'arriva qu'à 1h moins le quart et nous entraîna dans un petit salon. Du nouveau? Oui. Ma petite Ida, tu vas partager ta chambre avec la chinoise. Quoi? Mais oui, 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 c'est une chambre à 2 lits retenue pour elle et sa gouvernante. Alors, jusqu'à nouvel ordre, tu prendras la place de la gouvernante. Écoute, pourquoi faire? Tiens. Voici la dépêche que je viens de recevoir de la police de Shanghai. Tian Chang est éminemment respectable. Importante situation sociale et politique. Aménagée. Gouvernante irlandaise à son service depuis 5 ans. Rien à lui reprocher. Sa fille, Tao Nan, très bonne éducation. Ah bien, mais c'est excellent tout ça. Oui, mais la plus grande prudence est pourtant de rigueur. N'oublions pas que nous sommes sur les traces d'une bande de trafiquants. But essentiel de la mission que m'a confiée Washington. Et c'est tout de même la jeune Tao Nan qui a présenté la malle à la douane. Bon, enfin, elle est l'innocente victime de ces bandits. Mais j'en suis à peu près sûr, mais... Enfin, d'accord avec le chef de la police et la direction des douanes, nous allons la garder à notre disposition en liberté surveillée. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce que nous ayons arrêté Victoria et ses complices. Ça peut durer longtemps. Non, c'est pas sûr. Alors cet après-midi, on va l'amener ici et elle prendra possession de la chambre qui a été retenue par le secrétaire de son père. Bon, alors toi, Ida, tu ne la quitteras pas, hein? Non. Elle pourra sortir 1h le matin et 2h l'après-midi. Toujours accompagnée par toi. Et un policier. Qui le reste du temps demeurera en faction jour et nuit à la porte de la chambre. Ouais. Mais autrement dit, tu me condamnes moi aussi à la prison. Et pendant ce temps-là, monsieur passera son temps avec de ravissantes californiennes. Tu as décidé, le New York Herald, à t'envoyer ici pour une série d'articles sur le trafic d'opium. Ah bah, c'est l'occasion ou jamais de te documenter, non? À 2h de l'après-midi, 2 inspecteurs amenaient discrètement Tao Nan à l'ambassadeur. L'un d'eux demeura en faction dans le couloir devant la porte de la chambre où la jeune chinoise faisait la connaissance d'Ida, devenue son nouveau mentor. La chaleur était accablante. Et à 5h, leur installation terminée, affalées sur leur lit, elles bavardaient déjà comme 2 vieilles amies. Vous avez été blessée au doigt? Oui,
Il y a 2 ans, mon père m'avait offert un petit singe. Un jour, en jouant avec lui, il m'a mordu et la plaie s'est infectée. Il a fallu me couper la phalange. Oh, mais ça ne vous empêche pas d'être très belle. Ce n'est pas la beauté d'une femme qui ensorcelle, c'est sa noblesse. Je pense que je n'ai pas le droit de répondre. Non. Allô? Allô? Miss Johnson? C'est moi. Monsieur Nick Carter vous appelle de la ville. Oh, passez-le-moi. Je suis navrée, mademoiselle, mais le standard intérieur est en dérangement et je ne peux pas vous passer la communication. Si ça ne vous ennuie pas, il faut descendre à la réception pour parler en ville. Ah oh, oui, mais c'est que c'est très ennuyeux, je ne peux pas descendre. Enfin, voulez-vous demander à Monsieur Carter si ce qu'il a à me dire est urgent? Certainement, mademoiselle. Une seconde, je vous prie. Allô? Allô? Ah, allô? Monsieur Carter dit que c'est très urgent, il veut absolument vous parler. Bon, je descends. Inspecteur! Mademoiselle? Monsieur Carter m'appelle au téléphone en bas. Notre appareil ici ne marche pas. Veuillez entrer dans cette chambre et rester auprès de mademoiselle jusqu'à mon retour, je vous prie. Ok. Un verre de citronnade, monsieur? Eh ben, ce ne serait pas de refus, mais jamais pendant le service. Avec une paille chaleur, ça ne s'offuse pas. Non, c'est défendu. Tant pis. Mais vous savez, je n'aurais pas écrit au président des États-Unis pour le lui raconter. Oh, ça, c'est bien. C'est... Vous avez peut-être peur que je vous empoisonne? Oh, ben... Un proverbe de mon pays dit... Si l'oiseau vient boire dans ta main, c'est que tu as le cœur pur. Ah, mais je viendrai bien boire dans votre main. Seulement, il y a le règlement. Alors, c'est non. Oh! Ah, oh, et puis après tout, allez, j'accepte. Ah, la bonne heure. Tenez, voilà un verre. Oui, merci. Non, mais attendez, buvez-y d'abord. Si vous voulez. Elle, laissez-moi un peu. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein? Je crois que je n'ai jamais eu aussi chaud de ma vie. Maintenant, vous ne voyez pas d'inconvénient, je pense, à ce que j'aille dans la salle de bain prendre une douche? Ouais, non, pas du tout. Si je pouvais en faire autant. Alors soyez gentil de sortir quelques minutes dans le couloir, le temps que je me déshabille. Ça ne vous ennuie pas? Bon, ben voyons, c'est tout naturel. Allez, je sors et je reste en faction devant la porte. Merci. Bonsoir, Monsieur Carter. Alors, inspecteur, tout va bien? Oh, oui, Monsieur Carter. Rien à signaler? Non, Monsieur Carter. Et les deux femmes là-dedans, ça se dispute pas trop? Oh, non. Et puis, ça serait difficile, hein? Pourquoi? Parce que Mademoiselle Johnson est descendue téléphoner. Téléphoner à qui? À vous. C'est vous qui l'avez appelé. Moi, jamais de la vie. Il paraît que l'appareil de la chambre ne marche pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La petite ne doit pas entendre, hein, elle est dans la salle de bain. Et comment le savez-vous? J'étais entré pour la garder à vue, comme on dit. Elle a voulu prendre une douche. Alors, elle m'a demandé de retourner dans le couloir pour qu'elle puisse se déshabiller. Dans la police, des fois, on est délicat, surtout avec les jeunes filles. Alors, je l'ai laissé. Attendez, j'ai la clé. Je vais ouvrir. On s'en fiche. Elle a mis le verrou. On va enfoncer la porte, allez voir. Oui. Dans la salle de bain, vite. Personne. Hein? Quoi, l'oiseau s'est envolé? Mais oui, Tripidio, elle s'est payée notre tête. Elle a fichu le camp. Mais par où? Pas par la fenêtre. On est au 4e étage. Là, il y a une porte de communication avec la chambre voisine. Tenez, allez. Elle est ouverte, bien sûr. Et c'est par cette chambre-là qu'elle a filé. Mais j'étais dans le couloir, je l'aurais vu. Elle s'est quand même sauvée par le couloir. Pendant que nous étions dans la salle de bain. Oh, la garce. Chasseur. Monsieur? Qui habite cette chambre à côté? Le 403, Madame Gonzalez, monsieur. Elle vient justement de partir. Définitivement? Oui, monsieur, oui. Et elle est partie seule? Ah non, monsieur, avec la petite chinoise du 405. Elles ont pris un taxi? Non, elles sont montées dans la voiture de Madame Gonzalez. Madame Gonzalez a son chauffeur. Oui, naturellement, elles n'ont pas dit où elles partaient. Si, Madame Gonzalez a dit à la réception qu'elle rentrait directement chez elle à Mexico. C'est là qu'on doit lui faire suivre son courrier. Parfait, on va pouvoir les rattraper à la frontière.
Sa voiture, quelle marque? Une hispano-suiza noire avec l'intérieur rouge. Oui, facile à repérer. Et la petite chinoise, comment était-elle habillée? Comme une américaine, monsieur. Une robe blanche à fleurs bleues et sur la tête un chapeau blanc avec un voile bleu par-dessus, noué sous le menton. Et des lunettes noires. Merci. À votre service, monsieur. Et inspecteur, vous allez envoyer aux frontières du Mexique le télégramme suivant. Prenez note. Stopper hispano-suiza noire, intérieur rouge. Gardez au secret propriétaire Madame Gonzalez et passagère chinoise. Dès arrestation, avisez-nous. Viendront immédiatement. Faites signer ce télégramme par qui de droit et expédiez-le. Nick Carter descendit à la réception. Dites-moi, il paraît que Mademoiselle Johnson est venue ici pour téléphoner en ville. Nous ne l'avons pas vue, monsieur. Peut-être a-t-elle parlé de la chambre. Ah non, puisque l'appareil ne marche pas. Comment? Mais tous les appareils fonctionnent parfaitement, monsieur. Sinon, la standardiste leur est signalée. Payé? Monsieur? L'appareil du 403 ne fonctionne pas avec la ville? Mais si, monsieur. Je vous remercie. Oui. Avez-vous vu sortir, Mademoiselle Johnson? Non, monsieur. C'est épouvantable! Hein? C'est épouvantable! Il y a une morte dans le placard. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? J'ai ouvert le placard du premier étage où je mets mes balais et un corps de femme s'est effondré sur moi. Elle est morte. Mais bon Dieu, courons vite. Montrez-moi le chemin. Ça fait un gros effet, je vous jure. Ça m'est déjà arrivé une fois à Chicago il y a 10 ans. Seulement la femme, il n'y avait plus que la tête. On n'a jamais retrouvé le reste. Tenez, voilà. Regardez. Ida. Ida, mon petit. Mourir si jeune. Retusez-vous donc, idiot. Elle respire. Le 12 est libre, monsieur Carter. On va l'étendre sur le lit. Attendez, je vais vous aider à la porter. Non, merci, j'ai besoin de personne. Sa respiration est régulière. Elle n'est probablement qu'évanouie. Où est-ce que je suis? Avec moi, mon petit, ne crains rien. Oh, Nick. Voilà un peu de whisky. Merci. Tiens, bois. Ouf, Dieu, que c'est mauvais. Mais qu'est-ce que c'est que cette chambre? Nous sommes au premier étage de l'ambassadeur. Bon, raconte-moi. Tu es descendu du 4e pour téléphoner à la réception. Oui. Tu as rencontré quelqu'un dans l'escalier? Ah oui. Oh oui, je me souviens. Un homme a bondi et m'a donné un grand coup sur la tête. Mais c'est tout ce que je peux dire. Tu as pu le voir? Oui, attends. Oh, attends. Il était grand, blond. Il avait une petite moustache. Et puis il avait une blouse de bagagiste. Et maintenant, comment te sens-tu, mon petit? Le whisky m'a fait du bien. Oh, Nick, et la petite chinoise? Oh, elle s'est enfuie, elle était dans le coup, tu penses? Oh, mon Dieu. Et dis-moi, qui t'a parlé au téléphone pour te faire descendre? Mais la standardiste. Tu as reconnu sa voix? Oui. Elle m'a dit qu'un dérangement empêchait de passer dans les chambres les communications de la ville. Ouais, ouais. Bon, reste ici à te reposer. Je vais dire deux mots à la standardiste. Bon. Bonjour, mademoiselle. Police. Monsieur? Pourquoi avez-vous dit au 405 qu'on ne pouvait pas transmettre les communications de la ville? Moi? Je n'ai jamais dit ça. Doit y avoir erreur. Oui, ça va, hein, pas de boniment. À quelle heure avez-vous pris votre service? À 2 heures. Vous n'avez pas bougé d'ici? Non. C'est pourquoi je ne vois pas ce que veut dire cette dame. Savez-vous ce qui lui est arrivé à cette dame? Non. Elle est descendue. Et elle a été assassinée. Assassinée? Elle est morte? Oui. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà votre œuvre. Oh, mon Dieu. Alors, calmez-vous. Je veux bien admettre que vous avez agi sans prévoir les conséquences. Alors, dites-moi toute la vérité, sinon je vous embarque. Non, je ne savais pas, moi. Vous ne saviez pas quoi? Allons, vite, que s'est-il passé exactement? Mais un des bagagistes aime dû me voir. Et il m'a dit qu'un client rigolo voulait faire une blague au 405. Je l'ai envoyé promener, vous pensez? Mais il m'a donné un billet de 10 dollars. Alors moi, vous comprenez, pour faire plaisir à un client... Vous avez fait la blague? Ben oui. Ce bagagiste travaille à l'hôtel depuis longtemps? Je l'ai jamais vu. Il est grand, avec une petite moustache blonde. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Ah, maintenant je peux vous dire que Mademoiselle Johnson va très bien. Oh. À 10 heures du soir, l'inspecteur Bill apporta à Nick un télégramme que la police venait de recevoir. Poste frontière mexicaine de San Gregorio.
Avons stoppé Hispano. Gardons au secret Madame Gonzalez, passagère chinoise et chauffeur. Vous attendons. Allez, j'y vais tout de suite. Hein. J'ai des ordres pour vous accompagner, Monsieur Carter. J'ai une auto. Bon, je vais avec vous deux. Ah non, toi, tu vas rester ici à te reposer. Ah, mais non alors. D'abord, maintenant, je vais très bien. Et puis, tu sais, hein, ramenez-moi même cette petite garce. Elle a flanqué en prison. Alors ça, je veux me payer ça. Ah, bah et moi donc. Oh, le chameau. Bon, bah allons-y, vite. Partons. Bon. Oui, mais... Inspecteur Bill Thompson, police de San Francisco. Messieurs, madame. On vient prendre livraison d'une certaine madame Gonzalez et d'une chinoise qui se fait appeler Taonan. Gonzalez, oui, mais Taonan, je n'ai pas ce nom-là. Oh. Ouais, le contraire m'aurait étonné. Monsieur et Nick Carter. Oh, monsieur Carter, je suis très honoré de vous connaître. Merci. Mademoiselle Johnson. Mademoiselle. Monsieur. Laquelle des deux femmes désirez-vous voir la première? Elles sont chacune dans une pièce séparée. La chinoise, n'est-ce pas, monsieur Carter? Oui, naturellement. Par ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mademoiselle Taonan, c'est comme ça qu'on brûle la politesse à ses amis? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Oh, ça, la surprise est bien jouée, mais ça ne prend pas, mademoiselle. Ma petite, vous ne nous posséderez pas deux fois. Vous allez peut-être me dire pourquoi on nous a arrêté, mon amie madame Gonzalez et moi. Ah, ben ça, vous manquez pas d'un certain toupet. Qui êtes-vous, madame? Et vous? Moi, je suis Miss Oming. Les policiers ont pris tout ce que nous avions sur nous. Demandez-le mon passeport. Falsifié comme il se doit. Je porterai plainte à mon ambassade et votre attitude vous coûtera cher. Vraiment? Alors, vous ne seriez pas mademoiselle Taonan? À ce que je comprends, je suis victime d'une ressemblance. Vous voulez bien enlever vos lunettes noires? Volontiers. Alors vous, vous vous foutez du monde. Et vous mériteriez une paire de claques. Enfin, osez encore soutenir que vous n'êtes pas Taonan. Je ne suis pas celle que vous dites. Et vous, vous êtes un mufle. Si vous voulez que nous en finissions, faites-moi donc un petit plaisir. Lequel? Ouvrez la bouche. La bouche? Oui. Plus grand. Mais, au fond, à droite, vous n'avez pas une molaire en or? Si on m'en avait mis une, je m'en serais aperçu. Bon, bah alors enlevez le gant de votre main gauche, vite. Pourquoi? Enlevez le gant de votre main gauche. Voilà. Alors ça, par exemple, votre troisième doigt. Eh bien quoi, mon troisième doigt? Il n'est pas coupé. Vous avez l'air de le regretter. Et pourtant, vous avez bien sur la tête un voile bleu et vous portez une robe blanche à fleurs bleues. Dois-je vous consulter quand je choisirai ma prochaine robe? D'où venez-vous? De San Francisco, où j'ai passé une quinzaine au Palm Beach. Allez-vous enseigner? Dois-je vous dire également que je vais au Mexique passer un mois chez mon amie madame Gonzalez qui ne comprend absolument rien à ce qui lui arrive. Ouais, mais ça, nous lui expliquerons nous-mêmes. Venez, vous autres. Eh bien, mes enfants, la petite garde de San Francisco nous a tous possédés. Elle nous a lancé un sosie dans les jambes et elle nous a envoyé à la frontière mexicaine pendant qu'elle fichait le camp d'un autre côté. Il y a eu substitution. En tout cas, le sosie, on va commencer par le fiche en tôle. Ah oui, mais l'ennui, c'est que pour le moment, cette chinoise n'a commis aucun délit. Et c'est nous qui lui devons des excuses. Mais enfin, ni qu'elle est de connivence avec l'autre. Mais naturellement, mais va donc le prouver, toi. Oh, bah, tu as tout de même pas l'intention de les remettre en liberté. Non. Ah bon? On s'en va les garder pour vérification d'identité. D'ores et déjà, une chose est sûre. Cette madame Gonzalez et cette chinoise font partie de l'amende. Toi aussi, je suis pas prêt de les relâcher, ah, hein. Ah, bah bravo. Madame Gonzalez fut interrogée ainsi que son chauffeur. L'automobile fut visitée de fond en comble ainsi que les bagages. Et pour finir, Nick Carter fit le point. Alors, Ida, tu es formelle en ce qui concerne le chauffeur. Ah, mais ça, absolument, hein. C'est lui qui m'a assommé dans l'escalier de l'ambassadeur. Tu penses qu'il avait beau être déguisé en bagagiste, ça m'empêche pas de l'avoir reconnu sous sa livrée de chauffeur. Dans ce cas, lieutenant, nous vous demandons de bien vouloir rédiger une inculpation contre cet individu. Ce sera fait. En ce qui concerne Mme Gonzalez, elle ne cesse de protester de sa bonne foi. Et en fait, je ne vois pas grand-chose à retenir contre elle. Enfin, tant que nous n'aurons pas réussi à prouver qu'elle a fait évader notre chinoise numéro un. C'est rageant tout de même. On tient ces trois-là. On sait qu'ils sont de la bande et ça ne va pas être commode à prouver. Ah. Par contre, la chinoise numéro un et la gouvernante, on a toutes les preuves contre elle. Oui, seulement, nous n'avons rien qui nous aide à les retrouver.
Ah, pardon. Hein? Vous avez trouvé quelque chose? Oui. Quoi donc? Ce journal, qui était glissé entre deux sièges de l'Hispano. Mais qu'est-ce qu'il a, ce journal? C'est le Daily News d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Regarde ce qu'il y a d'écrit au crayon dans cette marge. Je comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, bah naturellement, c'est du français. Ah, oh, bon. Ces mots ont été tracés par Madame Gonzalez, qui, avant son mariage, s'appelait Madeleine Vertier. Elle était française et elle a épousé un monsieur Gonzalez, mexicain. Son passeport le dit en toutes lettres. Or, elle a griffonné sur ce journal, dans sa langue maternelle, les mots suivants. La reine est à l'abri du vent dans le parc. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai passé 2 ans à Paris, où l'on fait volontiers des jeux de mots, ce qui atteste cette agilité d'esprit si enviée dans le monde. Mais pour deviner le sens de ces mots crayonnés, j'ai dû faire un raisonnement, très simple. Quand on est à San Francisco et qu'on désire filer au plus vite dans un pays étranger, quelles sont les frontières les plus proches? Il y en a deux. Ben oui. Celle de San Diego, où nous avons été attirés par Supercherie, et celle du Canada. Or, la première ville canadienne est Vancouver. En français, pour se mettre à l'abri, on dit aussi « se mettre à couvert ». Se mettre à couvert du vent trouve sa contraction naturelle dans le mot géographique « vent couvert » prononcé à la française. Ouh là là, c'est drôlement astucieux, dis donc. Ah, quant au mot « reine », comment ne pas évoquer la reine Victoria, puisque la gouvernante qui a filé s'appelle ainsi. Ah oui, mais dans le parc. Oh, c'est simple. Un des plus grands palaces de Vancouver s'appelle l'Hôtel du Parc. Ah, bon. Le renseignement que Mme Gonzalez a crayonné sur son journal signifie donc pour moi « Victoria est à l'Hôtel du Parc à Vancouver ». Bon, alors, nous allons retourner à San Francisco, et en cherchant sur le livre des communications téléphoniques reçues par l'ambassadeur, je serais bien étonné de ne pas découvrir que cet après-midi, Madame Gonzalez a reçu un appel de Victoria pour lui signaler sa nouvelle résidence. Donc, aussitôt disparue, Taonan a pris le train pour Vancouver. Certainement pas. Elle doit bien se douter que nous allons alerter les postes frontières. Non, elle laissera passer quelques jours. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de télégraphier dès cette nuit à la frontière canadienne, pour qu'il stoppe jusqu'à nouvel ordre toutes les Chinoises âgées de plus de 15 ans et de moins de 30 ans. Le lendemain, Nick Carter alla contrôler le livre des communications reçues de l'étranger par l'hôtel ambassadeur. On avait bien appelé Madame Gonzalez de Vancouver. Les déductions de l'oncle Nick étaient donc exactes. Le soir même, nous sautions dans le train pour le Canada. À Vancouver, sous les apparences d'un vieux gentleman anglais, Mr. Adams, Nick Carter prit une chambre à l'hôtel du parc. Et il ne tarda pas à découvrir, parmi les clients, une certaine Madame Pickley, qui correspondait exactement au signalement que lui avait donné de Victoria le docteur Reading. Ida et moi, nous étions descendus dans un hôtel voisin, et chaque matin, elle retrouvait Nick à l'arrivée du train de San Francisco pour guetter l'arrivée éventuelle de Taonan. Et un matin... Le train est signalé. Bon, et ben attendons. Après 6 jours de ce petit jeu, tu sais, on commence à en avoir l'habitude. Alors, hier soir, tu as encore fait un twist avec Madame Pickley? Oui, oui. Elle est charmante. Nous sommes devenus de très bons amis. Hein? Si elle savait que ma présence auprès d'elle a pour unique but de la flanquer en prison. Attention, voilà le train. Ah. Ouais. Eh ben, pas de chinoise. Non. Et regarde là-bas. Un petit chinois à grosses lunettes qui porte la casquette de son université. Ça te dit rien? Si Taonan avait un frère étudiant à Harvard, je jurerais que c'est lui. J'aimerais tout de même bien savoir où va ce charmant jeune homme. Nick Carter suivit l'étudiant qui allait droit à l'hôtel du parc. Il s'inscrivit sous le nom de Kamitsu, étudiant japonais, et demanda la chambre 302, celle qui était juste à côté du 304, occupée par Madame Pickley. Et quand il enleva le gant de sa main gauche, Nick eut un sourire. La première phalange du troisième doigt était coupée. Alors, les événements se précipitèrent. Nick grimpa 4 à 4 à la chambre 302 et se cacha dans un placard. 5 minutes après, Taonan entrait. Elle s'enferma, puis se dirigea vers la porte de communication dont elle tira le verrou. De l'autre côté, une targette fut également tirée. Et Victoria entra. Tout s'est bien passé, à ce que je vois. Oui, et pour toi? Dans l'ambulance, j'ai assommé le docteur et j'ai filé me cacher pendant 2 jours chez Bobby. Puis j'ai pris le train pour venir ici.
Grâce à mon nouvel état civil, j'ai passé la frontière sans histoire. Et toi? J'ai été mise en liberté surveillée et la mère Gonzalez a fait jouer le plan de sécurité. Je me suis évadée par sa chambre et j'ai filé chez Gladys pendant que Nick Cantet courait après ma chère sœur. On n'en montre qu'une et on sort l'autre quand on a besoin de dépister les petits curieux. Un bon truc à mon mari. Tien Shang a décidément de très bonnes idées. Gladys a appris que les Chinoises étaient arrêtées à la frontière. Ensuite, l'interdit a été levé. Ça m'a semblé encore plus dangereux. Alors, par prudence, je suis venue, comme tu vois, habillée en étudiant japonais. Gladys m'a fourni les faux papiers. On va rester bien tranquille ici. Ta sœur, la mère Gonzalez et les trois frères Hampton vont venir nous rejoindre. Et après, j'aurai quelque chose de formidable à vous proposer. Il ne faudra plus compter sur moi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'en ai assez de vos sales trafics. Tu n'as pas toujours dit ça? Ton mari nous a sortis de la misère, ma sœur et moi, à condition de travailler pour lui. Tien Shang ne donne rien pour rien. Il fallait manger. On a été régulières. Maintenant, c'est fini. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas rigoler. Me marier et avoir des enfants. Ah, de toute façon, tu en auras 12 ou tu ne serais pas chinoise. Ah ben, si je m'attendais à ça... Tu as trouvé un mari? Oui. Où ça? À San Francisco, dans le quartier chinois. Il veut venir au Canada ouvrir un restaurant. N'en est pas question. Pourquoi? Parce que toi et ta sœur, vous nous rapportez de l'argent. Et puis vous en savez trop. Tu as peur que je parle? Oui. Le premier policeman venu peut te mettre la main dessus. Et ces gens-là connaissent à merveille l'art de faire parler les moins bavards. J'en sais quelque chose, j'y suis passé. Je te jure que je ne dirai rien à personne. Tu es une idiote et tu resteras avec nous. J'en ai assez de toutes vos saloperies. Fallait pas en faire. Maintenant, c'est trop tard. Tu continueras avec nous. Sinon, tu vois ce poignard? Tu me tueras, n'est-ce pas? Je te supprimerai, comme j'ai supprimé Dolly Morton. Mais moi, je vous aurais vendu avant. Je vous vendrai tous, tu m'entends? Tous! Qu'est-ce que tu dis? Je vous dénoncerai et vous finirez pendu. Tiens, saleté! Encore une qui ne parlera pas. Maintenant, il faut pousser le verrou de la porte de communication. Comment aurais-je pu entrer puisque le verrou est fermé de l'intérieur? Je sors doucement par la porte du couloir et je descends l'escalier, ni vu ni connu. Je ne le connais pas, moi, ce petit étudiant japonais. Mais si, ma chère Victoria. Vous le connaissez trop bien. Monsieur Adams. Non, appelez-moi Nick Carter, comme tout le monde. Ainsi finit, mes chers amis, la mission de Nick Carter à San Francisco. Deux jours plus tard, une dépêche de Shanghai l'informait que sur le point d'être arrêté, M. Tien Shang, importateur de machines et exportateur d'opium, s'était ouvert les veines dans son bain. Dans la série « Les exploits de Nick Carter, le détective américain », vous venez d'entendre « Trafic à San Francisco », texte de Jean Marcillac. C'est une production de Maurice Renaud. Chef opérateur du son, René Cambien, bruitage et ovalerie, assistante Odette Briane, réalisation Gilbert Cazeneuve. Avec, dans le rôle de Nick Carter, Michel Gatineau. Le docteur Reading, Gilbert Hédard. Morton, Lucien Frégis. Le directeur de l'hôpital, Jacques Thierry. Ida, Jacqueline Rivière. Victoria, Jacqueline Moresco. Et Taonan, Laurence Badi. Avec Marcel Alba, Pierre Ferval, Lucien Guerville, Jean-Jacques Stine, Ginette Franck. Jack Carter, neveu de Nick Carter, le récitant, Pierre Pernet.